Allez, bonjour tout le monde et salut Cap. Bienvenue pour une nouvelle session de South Park, l'annale du destin avec l'AVF la plus formidable du monde, évidemment. Ah ouais. Une VF ma foi bien salée pour les fans de la série, alors que finalement bah elle est pas si dégueulasse. Hein. Il faut le répéter, voilà pour une fois. Je prends tout le monde à contre-courant et je ne m'insurge pas. Voilà. Je valide une décision d'Ubisoft. Ah ouais. Et tout est génial finalement. Tout est génial. Mais finalement, en fait, je reste dans ma position habituelle. Vu que bah, vu que tout le monde s'insurge, bah, je troll toujours la majorité. Ah, et ça c'est beau quand même. Voilà, l'amour du troll tout en ne trollant pas, c'est une trollception finalement. On ne sait plus qui est où, on comprend plus rien ce qui se passe, et finalement c'est ça qui est beau. Et c'est aussi ça, l'esprit South Park. Ah, salut Swirag, comment ça va? Alors du coup, hier, on s'était quitté après que je me sois fait botter le cul. Assez prodigieusement par des madames parce que j'ai trop voulu bourrer. Alors là, je pourrais améliorer mon DPS, mais je perds encore de la santé. Ah, du coup, ce serait une décision couillue quand même. Parce que déjà que je me fais one shot par à peu près tout et n'importe quoi, mais du coup, si je me fais one shot par à peu près tout et n'importe quoi, pourquoi je me ferais chier? Finalement, il faut prendre le problème à l'envers. Voilà. Dégâts, défaite, état. Ah, je perds 20%, mais je gagne de la puissance quand même. C'est mieux de gagner de la puissance. Ah, j'imagine. Plutôt bien après la grosse arnaque d'hier soir. Mais hier soir, c'était fantastique. Alors attends, là du coup. Je vais passer là-dessus. Voilà, vu que finalement, bon, les dégâts d'effet, tout ça, je m'en sers pas tant que ça. Autant mettre la max ici. Du coup, là, récupération de santé plus 6%, ouais. Dégâts de coup critique, ouais. Allez, vas-y, vendu. Vendu, vendu. On va retenter notre chance comme ça. Alors, attends. À la fiche de perso, en fait, on s'en fout, hein. On s'en fout complètement. Après, c'est vrai que. Alors, attends. C'est vrai que j'ai jamais utilisé d'invocation finalement. Faudrait que je m'y mette aussi à l'invocation. Moïse peut me sauver la vie, j'en suis sûr. Voilà notre chance. Ouais, allez, on y va. On y retourne. Salut, bienvenue au raisin, trésor pour une mission. C'est Skema, c'est celui qui a battu le Porsche Mercedes. Exact. Et il est là pour reprendre la carte bancaire de mon père, pulpeuse voleuse. Tu nous as donné la carte de ta mère pour Pourquoi tout passer du est en temps avec double? nous dans la fosse des combats. Allô? Ouais, je voulais juste partir. Alors pourquoi t'as dit « Attendez, je vais revenir avec la carte de mon père, il s'en Attends, rendra quoi? même pas compte » Ah, ça suffit! Rendez-moi cette carte, vous verrez voir, des soucis. Y'a un souci ici, les filles. Oh, il va y en avoir! À moi Oh les filles merde. du raisin! Attends. Ah, j'ai... J'essaye... Je vais relancer le jeu, parce qu'il semblerait que ce soit un jeu Ubisoft. Donc il y a des bugs. Ah, le jeu en double, le son en double. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, merde. Ah, merci Ubisoft de toujours nous faire rêver avec à tous ces trucs-là. Ah, celle-là, elle était pas mal. Ah, putain. Le son en double. Bah, pourquoi pas?
Alors, du coup. Ok. Alors. Ah bah ça a sauvegardé quand même. Ah, tout va bien. Ah, du coup, on peut y retourner. Salut, bienvenue au raisin, trésor, pour une personne. C'est Scamma, c'est celui qui a battu Porsche chez Mercedes. Exact. Mais ouais, le mec, il était pas en DLC. Ah. Tu nous as donné la carte de ton père pour passer du temps avec nous. On peut pas passer ça? Dans la fosse des combats. Même pas vrai, je voulais. Ah si, maintiens rond pour passer. Voilà. Tu sais, les autres clients sont des losers, mais toi, tu as l'air cool. Waouh, c'est vrai? Absolument, trésor. Eh les mecs, vous connaissez Manada? Interdiction d'y toucher, d'accord? Ça n'a pas traîné. J'attends la commande. Attends, non, j'ai pas envie que tu me contamines. Pourquoi m'embête pas, s'il te plaît. C'est à toi. Alors, réveillez-moi quand c'est mon tour. Allez, couche. Je vais me mettre en position défensive, finalement. Mince. Je fais n'importe quoi. Et si tu laissais les dames tranquilles, hein, dis. Arrêtez d'embêter les filles. Parce que là, ça va durer qu'un tour, normalement. Après, ils ok. Si je cogne les moustiques pour rompre le charme, il risque de mourir de toute manière. Voilà. Méga coup de poing. Ouais, je m'y attendais. Je vais te donner le genre de dérouillé que ma mère filait à mon père. Ah bah du coup, il le refait là. C'est un peu la baise. Lâche-toi de nouveau. Alors... Ouais. Ah, pourquoi pas. Ah, sinon, je suis full feu au cul. Hein. Allez, vas-y. Je vois ça. Je vais m'occuper de ces petits pervers. Ok. Des poils qui crabent, j'ai moins envie de sang d'un coup. Ah, bah ouais. C'est mon putain de tour, ouais. Ah non, mais c'est génial ce doublage. Arrêtez, respectez ce doublage. Il est fait par des professionnels. Attends. Ah du coup, la super, ouais, c'est que sur une case avec lui. Ah du coup... Ah, allez. On se fait plaisir. Ah oh, merde. Trêve sur le rab. Mec, tu te lâches trop là. Ouais, cassez-vous. Qui a commandé la raclée à l'ancienne servie froide? C'était ma corée de concours de Miss. J'aurais jamais cru que Cramé pouvait faire si mal. Il va avoir droit à prélèvement de sang. Hé, hey, mec, mollo. Voilà. Ah, vu que j'ai le moustique en vie, ça devra déjà mieux se passer. Doubleur de Saitama pour la saison 2, One Punch Man. Ah bah, faut envoyer mon CV, parce que moi, je sais pas trop où l'envoyer. Bah, du coup, si tu le fais à ma place, moi, j'y vais, hein. Il n'y a pas de problème. Oh, je suis en l'air. D'accord. Ok. Par contre, là... Ah, du coup, lui, il est blessé. Ah oui, ils sont blessés aussi. Ah, je vais soigner les deux. Guéri ! Merci de main. À moi de jouer. Merci de main. Oh merde. Ah, il peut rien faire. Ah, attends. Ah, je vais mettre là. Descends, t'as piqué. Tu sors prêt. T'as tout retourné le moustique. Ok. Sur la gueule. Bon, moi je me recule. Mon perso il est pas fait pour être devant. Faut juste se raser le crâne. Bah ouais. Maintenant laisse plus traîner tes mains. Merde. Ça c'est easy. Ça je sais faire. Je peux me raser, y a pas de problème. Attends.
Là, je peux rien faire non plus, donc je vais à poser un bouclier sur lui. Et merci. Faut peut-être demander à Sapin, il n'a pas besoin de faire ça. Ah, Sapin, il a encore 2-3 cheveux quand même sur la tête. Il faut les respecter, ces cheveux. C'est une minorité. Allez, filles, et comme toutes les minorités, il faut faire attention à ce qu'on dit, tu vois. Quand on vous aura laissé la gueule, ça vous dirait un calendrier? Seigneur, non. Alors, attends. Du coup, admettons... Mais non, je les contamine toutes. Elles vont toutes se mettre à dégueuler. D'un autre côté... Attends. Parce que là, je suis midlife. Ah, il faudrait que je retrouve de la vie, quand même. Sinon, ça risque de pas le faire. Bon, on y va ou quoi? Ah, ou quoi? Laisse-moi réfléchir, connard. Parce que là... Moi, je vais plutôt la jouer comme ça. Ça fait du bien. Yeah. Seigneur, quelqu'un a apporté un sac à vomi. Cogne-les, le nouveau. Ok. Ah mais du coup là je peux pas y aller. Merde. Je vais mettre le feu aux fesses. Ouais, celle-là. Oh, je suis bloqué. T'es vraiment une enflure, trésor. Mais oui, recoiffé au gel, évidemment. Mais du coup le gel ça asphyxie les cheveux. Donc on sait pas. C'est pas très clair cette histoire. Alors attends. Je vais faire ça. Au vite. Le boulot. Tout va voilà. Super. Ah mon dieu. Non. J'aime ta joie. Tout refusé. Depuis quand c'est au menu les filles du raisin grillé? Je suis tellement contente que vous soyez là. Ok, alors. Ah, j'ai un super coup. Ah, je peux la tuer direct. Bah allez. Yeah. En avant. Imagine comment c'était cool vu avec mes yeux à facettes. Hé, hey, mec, mollo. Prends ça, trésor. Oh non. Qui a envie d'une trompe dans le cul? Non, c'est pas ce que je fais. Ah. Trouvez-vous votre propre âme sœur. Bon. Au moins, il m'a fait avancer. Ah, du coup... Ah, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Je le sens moyen, cette histoire. Attends. Ah, je pourrais la congeler. Hein. Alors ah, les gars, vous passez un bon moment? Non. Aïe. Voilà. Aïe, mes raisins. Ça commence à souffler par ici. Ok. Parce que là, ouais, ça fait pas grand chose finalement. Si je heal, j'en ai qu'un healé. Par contre, je peux poser un bouclier sur... sur mon gars. Histoire qu'il soit safe. Ok. J'en ai marre de crever de froid tout le temps. L'excitation monte. Méga coup de poing. Allez hop. Si seulement tu faisais autant d'efforts pour ton costume que pour cogner. Écoute mec, t'as déjà de la chance que je sois venu. Tu vas prendre cher pour ça. Je vais le sucer, les mecs. Ah, mais il est encore, merde. Ah, le con. Ah, oh, tu fais chier, mon gars. Parce que là, je peux pas y aller. Ah, l'angoisse. On va aller. Je ne me sens pas bien. Ah oui. Qu'est-ce que les réduirait en cendres? Oh, je sais. Une colère de cerf-volant. Attends. Ah, tu vas pas plus loin que ça. Merde. Parce que là... Ah, je peux les healer, remarque, mais... Ah bon. C'est pas terrible. Ah, vas-y, pourquoi pas. Tiens bon, je vais t'aider. Laisse-toi transporter. Ok. Désolé pour ce que je m'apprête à faire. Du coup, là, il n'y a pas le choix. De toute façon, je suis obligé de faire ça.
Oui, non? Pourquoi tu veux pas? Parce qu'il y a l'autre au milieu? C'est ça? T'es sérieux? Oh mais merde! Et ça? Ah, ça, ça marche. Oh, ça c'est un tuba à Lego! Je brûle toujours et ça craint toujours! Je suis prêt, et mon pot à insectes aussi. Ok. Alors attends, parce que après, c'est mon perso qui joue. Donc vaut mieux... Ouais, allez, vas-y. On va faire comme ça. C'est marrant jusqu'au moment où ce sera nous qui saignerons des yeux et du rectum. Ah, génial. Alors attends. Ah, du coup, là, j'en tue une. Comme ça, c'est une okay. Super-héros. Un nouveau. Paré au décollage. Bien sûr. À qui n'aime pas les trucs de super-héros. Là, je la tue. Allez, vas-y. Oh mon dieu! Ça veut dire qu'on a perdu? Bah ouais. Bon, il reste plus que nous, les poufiasses. Oh, attendez, je ne suis pas venue toute seule. C'est pas un plan drague. Alors, qu'est-ce que ce sera? Et allez. Oh, c'est déjà mon tour. D'accord. Oh, moi, je peux lui larguer une super patate dessus. C'est déjà ça. Allez, vas-y. Joue pas à ça avec moi, gamin. Je connais un système immunitaire qui va prendre cher. Oh. Ne te laisse pas abattre, Truduc. Ok. Alors, le healer, il commence à être fatigué, là. Alors, attends. On va immobiliser la grosse, quand même. Parce que... Ah, bizarrement, je le sens assez mal. On la joue comme ça maintenant. Ah si c'est la pub meuf, du coup il faut que tu dises je l'aurai un jour. Pas un jour je l'aurai. Alors attends. Puisque là, je fais que 5 dégâts, c'est pas terrible. Ah du coup. Parce que là, si je fais ça, non, ça sert pas à grand chose finalement. Là, je me mets un bouclier, mais c'est peut-être pas lui qui va tu en avoir le plus ça besoin. Qu'il comme moi puisse avaler une centaine d'ailes épicées. Ce serait plutôt et lui. Voilà, allez hop. Oh, merci. Elle résiste. Je vais vous montrer d'où vient le double choc de nos ailes de poulet, double choc. D'accord. Alors. On va la pousser. Désolé, ah. Ça m'intéresse pas. C'est l'heure de l'épidémie. Bon, du coup, il est mort celui-là. Pas collé entre nous. Ah, il m'a fait reculer. Merde. Parce que là, du coup. Ah, fait chier. Je vais la jouer comme ça. Ah, salut Gus. Comment ça va? Voilà. Ça va passer quand même. J'y crois à fond. Stop. Ouais. Tout refusé. Va te cacher. J'aurais jamais cru que cramer pouvait faire si mal. Bonne nouvelle tout le monde, c'est mon tour. Ah, salut Cinder. Ah bah écoute, ça va super bien, tranquille. Monsieur là. Ouais. On aurait peut-être mieux tuer la blondasse en fait d'abord. Allez, vas-y. On va s'occuper de son cas, là. Comme ça, elle pourra plus séduire le moustique après. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Quitte à sacrifier mon gars. Faire couler le sang, je veux bien, mais le boire, c'est pas bien. Ne critique pas avant d'avoir essayé. Ok. Du coup, là... 74. Je mets la double altération d'état quand même. Ce
Sinon, je pourrais taper à 200 avec le hamster. Mais là, elle va se rapprocher de toute façon. Et je pourrais rien faire finalement. Si, attends. Sinon, si je me mets là et que j'active la furie d'ici, est-ce que ça marche? Ah, ça marche quand même. Je peux avoir l'addition? Ouais, vas-y, allez. Hop! On va tenter ça comme ça. Ça va peut-être passer. Non, non, il n'y a pas besoin. Tant que je vais pas dans le strip club, avec moi, on en a plus, ça va. Ah mon dieu. Ah, rip le moustique. Ah bon, j'ai pas eu l'occasion de pondre. Tu peux pas pondre, Clyde. Ah, c'est vrai, j'étais trop dans le rôle. Qui a le plus besoin d'avoir dans la tronche? Ok. Alors attends. Parce que là, admettons. Je peux l'avoir d'ici aussi. Ah, du coup, mon bonhomme, il va rester là, non? Je sais pas trop. Vas-y, on essaye. J'ai le cul qui traîne. Ouais, il reste là. Donc c'est pas terrible comme système. Attends. Ah, du coup, là, je la congèle. Comme ça, l'autre, il aura le temps d'évacuer. Mince. Je crois que ma transpiration a gelé. Ok. Oh, je peux enfin y aller. Merci. Alors du coup... là, ça l'énerve, mais ça fait pas de dégâts, finalement. Donc on s'en moque un peu. Je vais juste mettre une grosse patate. Hein. C'est pas une manière de traiter une dame. Ok, du coup là, voilà, c'est bon, ça va passer. Excuse-toi. Attention, courbe dans. Stop. J'ai pas envie de mourir. Tout refusé. Voilà. C'est un super Craig. À des bisous. Hourra, gâteau au citron pour tout le monde. Ah bah c'était facile. Je vais la remettre dans sa commode. Ah, du premier coup. À 120. Oh mon dieu. Ah, level 6. Emplacement épique. D'accord. Le nouveau, t'assure grave. Je sais que c'était toi. Bah, impeccable. Alors du coup... non, c'était pas ça. C'est quoi cet emplacement épique? Tu as débloqué ton premier emplacement épique d'artefact. Ouais. Au lieu d'augmenter les bonus d'équipe, la plupart des artefacts épiques offrent des capacités uniques. Équipe un artefact dans le nouvel emplacement, ouais. Attends, non, c'est pas là. C'est là. Ah merde. Du coup, ça fait quoi, ça? Strictement réservé aux agents Koon d'élite, débloque le pouvoir d'artefact épique doté d'effets de combat exotique. Soumis à des frais de matériel non remboursables. D'accord. Favorise le mouvement, excellent pour la santé. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas terrible, hein, quand même, si. Non, c'est pas terrible. Enfin bon, c'est mieux que rien. Assez épique quand même. On sait pas trop pourquoi. Mais bon, tout va bien. Ok. Alors maintenant, on peut continuer. On peut peut-être tenter notre chance chez le caïd en passant par le garage cette fois. Alors attends, c'était où le caïd? C'était là-bas? Ouais, c'était là-bas. Du coup, on va essayer d'y aller par le garage. Oh mon dieu, je me sens tellement plus forte en m'apprenant à ces méchants. Je suis pas là. Qui tourne le dos à une fille du raisin? Bah moi. Ah, je pourrais me faire un nouveau costume aussi, tiens. Je dois avoir des nouveaux vêtements pas mal, non?
Qu'est-ce que j'ai? Oh merde. Non mais il y a que des trucs nuls en fait. Ah ouais. C'est pas cool. Moi je fais du feu, je vais pas me mettre un costume électrique. Ça va rien dire. Oh, sinon je prends celui-là. Allez hop. Ah vas-y. Il y a quoi en main? On va garder cela. Je veux voir. Lunettes. Ah c'est trop bien. Non mais ça me va bien ce look un peu... un peu bizarre. Bah, ça me plaît bien. La pilosité faciale peut-être. Ouais non. Ah c'est mieux. C'est mieux ce que j'ai. Alors sinon, je pourrais en crafter aussi, éventuellement. Allez, vas-y, on y retourne. Ah, du coup, le garde dehors, ils sont plus là, vu que je les avais battus. Donc ça, c'est pas mal. Ah, du coup, on va essayer de rentrer par là. Non ? Ah, mais on peut pas ! D'accord. Ah, du coup, faut obligatoirement faire le mini-jeu qui a bugué hier. Je suis Jeff de Wolf Home Security, est-ce que tout va bien? Bonjour, oui, pardon, j'habite ici et je ne me souviens plus du code pour arrêter cette putain d'alarme. Oh, pas de soucis, monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner le code de sécurité? Est-ce que tout va bien? Vous m'entendez? Une petite minute, s'il vous plaît. Voilà. Ah, là, il y a le téléphone. Voilà, c'est bon. Ok. Cette fois, ça marche. Oui, bien entendu, je l'ai ici. Attendez une seconde. Ah, flûte, laissez-moi regarder. Ah, pas le bon tiroir. Pouvez-vous attendre une petite minute, désolé. Pas de problème. Continuez le piratage. Ah, vas-y, je continue. Quoi, Season Pass aussi dans Dragon Ball FighterZ? Oh, putain. Ah, mais c'est tellement le cancer. Un carnet ou un bloc, par exemple. Musique oui, de l'ennemi, le commentateur tourne. Je vais regarder dans ce tiroir là. Oh, il faudrait que je mette la main sur mes lunettes. Une seconde. À la limite, tu vois le commentateur et les zics de l'animé, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Minutes, mais des plaît. Combattants, sérieux. Ah, du coup, Dissidia, tu vois, c'est pareil. Le jeu, il m'intéresse, mais bah, je vais pas l'acheter parce que t'as 6 persos en DLC direct. C'est tellement nul. Prénom. Vous pourriez essayer avec mon deuxième prénom? Ok, vous savez quoi, monsieur? On va regarder votre profil de compte et je vais vous donner un nouveau mot de passe. Si vous voulez bien patienter... Ne te laisse pas avoir par ces tentatives d'intelligence moyennement éduquées. C'est un grand classique. Du coup, je fais quoi ici déjà? Je m'en rappelle même plus. Ah oui, c'était un cahier de la drogue, je crois. Comme ça. Ouais. Ah, il y a la base, à Freedom Pal. Verrouillé. Ah, mais il y a un truc au-dessus. Non. Ah, mais il n'est pas encore débloqué, d'accord. Oui. Ah, c'est lit voiture. Attends, on voit tout le temps dans les... corps. Dans les trucs américains. Vas-y, j'aime la télé. Et je m'en vais. Bah ouais. Attention avec celui-là, héros. C'est un coriace. Choisis bien ton moment.
Eh, hey, t'es qui, toi? T'as pas le droit d'entrer comme ça. Vas-y, go, go, go! Ah mais je suis tout seul! Ah mon dieu. J'ai un système de sécurité. Je vais vous faire un procès. Bah ça va, il est nul. Pitié, allez-vous-en. Étranglement. Quoi, étranglement? Ouais. Ah, c'est l'autier. Excellent travail, héros. Tu as tout compris au programme. Tu as assimilé ce qu'on fait et tu joins tes forces aux nôtres. Retrouve-moi au poste. J'ai quelque chose pour toi. Alors, attends. Hop. Ah, c'est où le poste? J'en sais rien. Alors, le poste, c'est ça? C'est ça. Ouais, je me téléporte là-haut. Ouais, c'est le plus proche. Hein. Alors, attends. Ah, du coup, moi, je suis là. Ah, du coup, le téléporteur le plus proche. C'est ça. Ok. Allez, go! Ah bah oui, mais non. Ah, c'est vrai que ça passe pas. Est-ce que l'autre passe? Non, ça passe pas. Putain, mais c'est tellement nul, ça. Ah, merci pour le GG, Cap. Alors, attends. Ah, ce jeu, il a quand même de sérieux problèmes de rythme. Avec tous ces allers-retours, ça prend tellement des plombes. Ok. T'as besoin d'un trajet express? Ah, attends. C'est où, du coup? Il est où, du coup, le téléporteur? Là? Je sais même pas si c'est Warsit en fait. Ça se trouve c'est pareil. À plus, c'est nouveau. Ah, c'est ça. Je les ai fouillés ces voitures? Non, je les ai pas fouillés. Bah alors? Ah, faut fouiller les voitures. Ok. Non, celle-là on peut pas. Non, ça a pas l'air. Allez, go! Alors, Ah, c'est là. T'es censé être qui? On te reconnaît là. Ninja gay? Vas-y, passe. Merci d'avoir arrêté Skye, jeune auxiliaire de justice. Si seulement on avait une centaine de policiers comme toi. Artefact de l'aigle étincelant. Ah, génial. T'as coincé ce gros bonnet, beau travail, petit justicier. T'as du cran, combattant du crime, je te l'accorde. Allez, viens par là, c'est l'heure du selfie. Ouais. Youpi. Ah, je peux te surveiller sur Kunstagram maintenant. Erreur de débutant, super-héros. Ouais, c'est pas grave, je fais ce que je veux. Du coup, il y a quoi là-bas déjà? Ce serait pas mon agent que voilà? T'as posté mes photos de profil? Ah oui, c'est vrai. Si tu m'aides, je t'aide. Mais là, il en manque une, je crois. Faut que je trouve un endroit où accrocher une photo encore. Après, ce sera bon.
Voilà, j'ai déjà tout fouillé. Is ok. Ouais. Ah, c'est verrouillé. Oh. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule femme qui travaille ici. Hein. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Trouve les 20 yaoi. Ouais. Trouve le portefeuille. Ah oui, mais ça, c'est dans le truc de striptease. C'est les avis de recherche. Et chercher les chats. Dalle super game. Mais j'ai pas un truc d'histoire à faire. Ah si. Maison de Craig. Ah non, c'est le 20 yaoi. Et du coup, il y a un truc à faire ou pas? Je vais aller chez Cartman. Parce qu'il serait temps de... Il serait temps qu'il se passe un truc, là. Alors, attends. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de téléporteur. Il y en a un là-haut. Je vais aller à celui là-haut. Produc, je dois dire que je suis impressionné par tes progrès. Passe au repère du cône. J'ai une petite surprise. Ah bah voilà. Terminé. Ah, super. À bientôt les 1000. Quand on atteindra les 1000, il se passera un truc. Voilà. Personne ne sait quoi. Pas même moi. Mais c'est pas grave. Pour le savoir, il y a qu'un moyen de... Ah, pour y arriver, tu vois. Il faut, de la ville. Il faut accumuler encore des follow. C'est génial. Et voilà. Mais bon, après, moi, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est surtout les 1000 subs, tu vois. Quand j'arriverai à 1000 subs, je serai content. Ah, peut-être que je ferai un marathon à ce moment-là. J'offre un voyage au Japon, tout frais compris. Ah, quand j'arriverai à 1000 subs, ouais, j'offrirai un voyage au Japon à quelqu'un. J'espère que vous êtes hypé. C'est là? Ah ouais, c'est là. Sacripant. Ah non, c'est pas ça. Ah, le mot de passe a changé? Niqué. Franchise. Ah bah bravo, il a changé le mot de passe. Connard. Alors attends. Qui est le coon? Ouais, non, on s'en fout. Regardez. Ah non, c'est pas ça. Ouais. Bah, il y a un chat. D'accord. Ah bah oui. Évidemment. Je truquerai le raffle pour que je gagne. C'est la base. C'est la... Ah, c'est ça l'avantage de pouvoir jouer à ses propres jeux, finalement. Bonjour le nouveau, tu as perdu ta couronne? Ah, je cherche le mot de passe, tu l'as vu? Eh bien, j'espère que tu t'amuses bien avec les enfants du quartier. Mon petit Eric adore se faire de nouveaux amis, et moi aussi. Écoute, j'ai fait faire de nouvelles cartes de visite et j'ai besoin d'aide pour les distribuer en ville. En fait, je suis coach personnel à domicile. Commence par le bar de Skeeter. Si tu m'aides à trouver des clients, je te préparerai un petit quelque chose. D'accord. Je veux dire, petit Okiti. Ah oh, merde. Ouah, mais c'est quoi ce machin? Je suis jamais venu là en fait. Ouais. Ah, ça, du coup, c'est les restes de. Du bâton de la vérité, j'imagine. Armory.
D'accord. Bon. Alors. Et ce nouveau mot de passe, alors? Alors. À 1000 dollars, ah, carrément. Vite. Franchise. Netflix. Niqué. Mérité. Ami. Ouais. Kuhn. Mérité. Netflix. Ah, salut Didymania, comment ça va? 136, tu crois? Trouve. C'est quoi? Sacripant, vite. Non. Ah on ouais. Peut pas faire le film de Super Kai. Merci. La série de l'homme cerf-volant sur Netflix, les mecs. Ça n'a aucun sens. Alors, si on introduisait Super Craig dans le deuxième film de Kuhn et sa bande, ça ferait vraiment DC Comics. Je pense pas, non. Ah, Trouduc. Ah, tiens. En bas de l'écran. J'avais tellement pas vu. Je vais me laisser seul avec Trouduc. Bien sûr, allez, viens. Ah merde. Je te suis, le moustique. Ah, vas-y, je m'assois. Trouduc, je voulais que tu saches qu'on a décidé de te laisser avoir ta propre série Netflix juste après la mini-série de Quickie sur la Fox et le troisième film du Kuhn et sa bande. Félicitations. Ah, génial. Bon, allez, file terminer tes tâches. Je voulais juste t'annoncer la bonne nouvelle. Tu veux quoi, le nouveau? Je t'ai dit que tu pouvais choisir une seconde classe. La récré est terminée. Oh, non, et non, tu peux pas avoir trois classes. Le nouveau... Ne me fais pas ces yeux de chat. On n'a jamais vu personne cumuler trois classes. Ah, tu crois peut-être que tu as droit à la compassion du monde entier parce que ton père a sauté ta mère? Désolé, je voulais pas mettre ça sur le tapis. Bon, d'accord. Si tu devais avoir une classe de plus, ce serait laquelle? Ah, bah ça va tranquille, ou? Ah, le dentiste, j'y suis allé... Brutaliste. J'y suis allé l'autre jour. As du gadget. Ah, ça va. As du gadget. L'as du gadget impressionne les amis. Et se défait des ennemis grâce à un impressionnant arsenal explosif acquis via le catalogue Sky Mall. Ah. Assassin. Ouais. L'assassin se spécialise dans les attaques faisant jaillir le sang avant toi, de se fondre dans l'ombre. C'est l'heure de nettoyer, bah oui. Ah, les infopubs nocturnes, ouais. Cyborg. D'accord. Ah, je vais devenir l'inspecteur gadget finalement. Assassin, télépathe. Sinon il y a le télépathe aussi, mais ça a pas l'air terrible quand même. Un super héros doit savoir prendre des décisions. Oh, un as du gadget comme Tupperware. Et t'es riche aussi. Ah, du coup, ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal. Je sais pas trop ce que ça fait. Ok, mais du coup, il va falloir revoir tes origines. C'est ballot. Reprenons depuis le début. À l'époque où tu étais encore enfant. T'avais pas cette mission de cuisine, mais oui. Dormir, car tu vois d'étranges lumières traverser le ciel. Tu t'approches du miroir. Et dans Bonjour. Ce miroir, tu vois un enfant qui n'est peut-être pas de ce monde. Et c'est là que tu l'entends. D'étranges sons extraterrestres en provenance du couloir. En sortant, tu aperçois deux intrus et un extraterrestre chez toi. Tu dois les arrêter, alors tu fais appel à tes nouveaux pouvoirs. En tant qu'as du gadget, tu sais que tu as en stock tout ce qu'il faut pour gérer ces intrus. Avant tout, tu décides de transformer le terrain à ton profit avec ta tourelle à tir tendu. Écoute petit, on n'est pas là pour jouer. L'intrus a remarqué la menace que représentait ta tourelle et l'a rapidement détruite. Mais tu as encore plein d'autres gadgets. Un automate dessiné à ton image. Les intrus approchent, ignorant tout de la puissance qui se cache derrière le sourire amical de ta création. Thank you.
Les oreilles des intrus bourdonnent encore de l'explosion quand tu balances ta nouvelle invention choquante. Le flamme à gigavol. Les intrus approchent pour riposter. Mais ton appareil électrique sait se montrer généreux. Le dernier intrus approche, et comme tu n'as plus aucune invention sous la main, il t'inflige un coup critique. Tu es sérieusement endommagé, et il est temps d'utiliser ta dernière et plus puissante invention, l'annihilateur aéroporté. Gamins et leur saleté de jouets. L'extraterrestre te prend par la main et t'emmène dans une pièce obscure. Ah mon Dieu! Que tu vois que ton père vient juste de baiser ta mère. Oh, putain, c'est révoltant le nouveau. Je suis mal pour toi. Est-ce que les extraterrestres t'aidaient en te montrant qui avait baisé ta mère ou essayaient-ils de t'emplir de rage? Tu ne le sauras peut-être jamais. Bon, retourne là-bas, Trouduc. T'as encore un tas de trucs à faire. J'ai quoi à faire? Allô? Il paraît qu'on t'a vu voler avec l'homme cerf-volant sur ton dos. Putain, ça fait trop gay. Et du coup, comment je change mes pouvoirs? Comment ça marche? Je m'en rappelle plus. Non, mais ça, on s'en fout, c'est tous les titres. Ah, les habillés, on s'en fout aussi. Il manque encore deux paix. Un plein d'invocations. Un moult alliés. Ah donc le jeu, ouais, on n'est pas encore vers la fin. Hein. Ah ça va être long. Ça va être long. Et du coup j'ai toujours que deux classes. What the fuck? Attends. Est-ce que le prochain truc que je gagne, c'est un emplacement d'artefact? Ouais, c'est pas... un emplacement de nouvelle classe. C'était quoi ce délire, alors? Ça, c'est le Kun Vélo. J'ai aussi commencé à concevoir le Kun Bateau, le Kun Avion et le Kun Fauteuil Roulant. Ouais. Bon, bah, ma foi. Oh, il va bien se passer un truc dehors. Ici Quickie. Ah. Va au terrain de jeu. Un des potes de la liberté nous a appelé. Ah, c'est où ça? Terrain de jeu, c'est au-dessus. Allez go. Quelle connerie c'est. Bah ouais, la base. Oh, viens, c'est à ma petite. Ah, j'ai pas le temps. Mino. Oh mon Dieu. What the fuck? Bonjour? Non? Attends. Ah là, on peut utiliser les pouvoirs. J'espère que t'es pas en train de marquer ton territoire. Faudrait pas gaspiller ce nectar. Allez, vas-y, viens. Menu est dans pouvoir pour modifier tes pouvoirs. D'accord. Ah, wow, wow. Super, on a réussi. Ah génial. La coupe de la branchitude, level 68. Pourquoi c'est en rouge? Ah parce que c'est moins puissant. Ah les pouvoirs. Ah. Alors, admettons. Ah ouais, ah du coup là j'ai les 3. Alors là ça tape à 77 et ça met 2 trucs. Là, ça tape à 29 à peine. Là c'est un pur DPS à 240. Et ça tape un peu où tu veux. Je vais partir là-dessus. Hein. Ok. Du coup là... Ok.
Ami Boom à Boom, 96, 2 tours pour se recharger. Et là, le truc que j'ai, ça tape à 84. Et là, ça choque. Alors, attends. Un robot copain fidèle à courte espérance de vie qui s'auto-détruit une fois son tour terminé. Il s'auto-détruit, d'accord. Ah, ça peut être pas mal. Hein. Mine de rien. Du coup, là, on tape à 84 les deux. Non, je vais rester comme ça. Hein. 58. Voilà, là, ça me semble pas mal. Hein. Ça me semble pas mal. Ah, salut Joseph! Bah écoute, moi ça va super bien et toi? Comment tu vas? Viens, Minou! Ok. Allez, vas-y, on descend. Prêt? Wow, quelle élégance! Quelle race! Oh mon dieu! Le guerrier de Mame Maria! Je suis le prétendant légitime de la princesse de Nibolis, le plus grand guerrier de l'ordre Nibaren! Quelqu'un est venu me défier. Je l'ai vaincu, mais les forces me manquent. Je dois ingérer une potion de soin afin de retourner à Nibolis, caresser ma bien-aimée. Pourrais-tu m'aider? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aide-moi à retourner à Nibopolis, et là, on pourra accomplir ce rituel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien sûr, ça fera l'affaire. Si t'as un jour besoin d'aide, appelle-moi, je combattrai à tes côtés. Ouais. Bien sûr, un portrait avec le plus grand champion de Nibopolis. Blovoski. Je parie que le résultat est super. Viens. En effet, c'est mon père. Prêt? Quoi? Il est sérieux? C'est vraiment son père? Oh merde. Ah, attends. Du coup. Est-ce que je peux passer derrière? Non, je peux pas. Ok. La planète Gronibar, bah oui. C'est Gérald, un juif de South Park. D'accord. J'espère que t'es pas en train de marquer ton territoire. Faudrait pas gaspiller ce nectar. On peut pas aller là-bas. Ouais. Attends, comment... Voilà. Mais du coup, comment on part au-dessus? Ah mais je suis allé trop loin, moi. Allez, le chat. Je suis allé beaucoup trop loin. Ah ouais, c'était là. Ah du coup, voilà. Alors, c'est où? Ah, ils sont là. Bonjour. Tu es sûr qu'un des potes de la liberté veut nous rencontrer? Dans son texto, il disait que c'était très urgent. Ouais, mais pourquoi les potes de la liberté veulent nous parler? À moins que ce soit une sorte de piège. Du calme, les gars. Je suis pas venu pour me battre. Salut, boîte à outils. Ça faisait longtemps. Boîte à outils est un archétype visionnaire de classe As du gadget. Et un sale bâtard de traître. Bon, à métal hurlant. D'accord. Le nouveau a aidé à s'emparer des clés de mon père hier soir. Le nouveau, je sais pas pourquoi tu cherchais mon père, mais je te dois un service. C'est ce que je suis venu te dire. Tu es peut-être dans la mauvaise franchise, mais si un jour tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Oh, tu crois que le nouveau en a quelque chose à foutre de toi? Tu fais partie d'une franchise qui ne rapporte rien et dirigée par un connard en fauteuil roulant. Au moins lui, c'est pas un putain de voleur de téléphone. Oh non, pas lui. Timmy! Vous nous traitez de loser alors que pour trouver une piste, vous devez la voler. Où est le téléphone du professeur Timothy? Désolé, mais cette info est classée secret défense. Vous devez arrêter d'enquêter sur la chambre du commerce et laisser ça aux super-héros professionnels.
Ah ouais, parce que vous êtes des super-héros professionnels? Je devrais dire, Mysterion, qu'on a déjà un contact chez Netflix. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On est sur le point de faire décoller la série Netflix d'Homme cerf-volant, alors... Non, Timmy, non, non, arrête ça. Arrête, arrête, Timmy. Il essaie de me violer le cerveau. Ils n'ont pas de contact chez Netflix. Les potes de la liberté m'ont violé le cerveau, les mecs. Faut choper ces pédophiles. Coulez sa bande, rassemblement. Potes de la liberté, ralliement. Guerre civile 2, ça va chauffer. Oh merde. Ah du coup, est-ce que... C'est une invocation alors, l'autre gars, ou c'est un nouveau joueur? Non, c'est une invocation. Ok. Allez. Hop. On y va. Vous êtes dépassé. Abandonné avant d'être humilié. Ouais, mais du coup... Ah, il y a plus de casques que d'habitude. Alors, attends. Là, on me voit. Qu'est-ce que tu vois comme yeux? Parce que je vois bien la même chose. Désolé, Capitaine Diabète. C'est top secret. Il va avoir droit à prélèvement de sang. Ah, bah bon courage, Dimania. Des bisous. Ok, mais pourquoi il se téléporte n'importe où, lui? Ça va, ouais, tranquille. Il a bien cherché en prenant le parti de ces enfoirés, Trouduc. Micro-agression, frappe-le. Tia. Je compte sur ton partenaire. Bah bien sûr. Alors attends. Parce que... Du coup, je peux me mettre là. Ah, je peux lui faire passer son tour. Montre-leur quel CF le nouveau. Allez hop. Capitaine Diabète s'apprête à frapper. Bah bien sûr. Ah, oh, il meurt pas. Mais il fait quoi à part se téléporter, lui, en fait? Tu sers un peu à rien, mon gars. Prépare-toi à mourir pour rien. Redoutable, comme toujours, Mysterion. Timmy! À mon tour, maintenant. Impressionnant, Tupperware, très impressionnant. Alors attends. On dirait que t'as des bestioles sur la calandre. La prochaine fois, ferme la bouche. Je vais le sucer, les mecs. Est-ce que là, l'autre, il est où? Je le touche là? Ouais, je le touche. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ces amphires ne sont pas de taille contre nous. Voilà. Comme ça, en même temps, je suis safe. Laisse notre ami tranquille, toi. Allez, acolyte, écrase-le. Ok. Alors, attends. Mais on peut pas bouger la caméra. C'est complètement con, ça. Du coup, je vais me mettre là. Voilà. Comme ça, dès qu'il y en a un qui se met devant, il va tellement se la prendre. Y'a pas quelqu'un là-bas? Non? On n'y voit rien. C'est nul, ça! Vous êtes dépassé. Abandonné avant d'être humilié. La culotte, ce vilain! Je vais pas me retenir. J'ai la tête comme une toupie là. Ça va okay. Être la ah, l'ultime est prête. Alors. Attends. Là, ouais, je peux le toucher. Tu devrais vraiment te passer le tube buccal à l'alcool entre les repas. Je suis prêt à envoyer l'équipement lourd, les mecs.
Tu vas souffrir. Ok. Alors attends. Ah ouais, là j'en tue pas mal. Ah vas-y. Allez hop. Ah ça fait tellement le ménage. L'heure de diabète a sonné. On les marave. Ah bah easy. Élan d'empathie. Ah c'est beau. Service. Alors si tu veux faire partie d'une vraie franchise, appelle-moi. C'est ça, vous êtes DC Comics, nous on est Marvel. Sale enfoiré, vous avez Zack Snyder pour faire vos films. Hey, tu feras un bon agent PC toi, c'est comme ça qu'on prend l'ascendant sur ces enfoirés en cas de micro-agression. Retrouve-moi au pub, je crois qu'on peut discuter de ta race et ton ethnie maintenant. Ah, génial. Non, j'ai rien d'autre à faire. Ah ouais, non, mais on l'a déjà fait, lui. Ok. Alors, attends. Ah, du coup, faut aller tout là-haut. Oh, mon Dieu. Je suis où? Ah, du coup, est-ce que je peux monter? Non, je peux pas monter. Faut que je redescende, alors. Est-ce que t'en veux, le nain? Ben non, t'inquiète. Change ta couche ouais. Ah, j'ai plus le temps pour les combats random, là. Il faut avancer. Il faut avancer. J'ai besoin d'un trajet. On va où, le nouveau? Alors... c'est où? C'est là... Ouais, c'est là. C'est génial! Et voilà! C'est quoi ça là-bas? Fais voir. Ah c'est ça, c'est les cartes... Ah vas-y, on va distribuer les cartes. J'aime beau. Ah je suis pas monté là-haut, tiens. Comment ça se fait? Ouais. Ah. Ah, faut peut-être déplacer ça. Ah non, faut aller là-haut d'abord. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais c'était l'histoire avec le truc à tirer, là. J'ai pas compris. Oh, c'était chiant. Alors, bonjour. Hein? Une coach pour adultes? J'ai pas besoin de... Bah, merci, petit. Hé, hey, c'est toi le puant qui fait les gros titres. De la géométrie. Bien sûr, tu me donnes une piste pour un coaching? Youpi! Ah, Donovan. Merci, petit. Ce n'est pas encore Halloween, mon garçon. Je n'ai pas de bonbons à la noix. Qu'est-ce que c'est? J'aurais peut-être besoin de réviser un peu. Madame Cartman reprend le travail. Eh ben, eh ben. Ok. Oui? Ah non, c'était juste pour lui parler. Alors... c'est où qu'il faut que j'aille? C'est après. C'est là? Ça a l'air d'être là. Hop! Bonjour! T'as vraiment du potentiel, toi. Je suis heureux que tu sois là. Maintenant, discutons un peu de ta race et de ton ethnie.
Déterminons qui tu es vraiment. Amérindien, asiatique, blanche, hispanique, insulaire pacifique, noir. Ah, je suis un blanc. Ethnie albanaise, américaine, arabe, amérindienne, bulgare, chinoise, croate, danoise, estonienne, irlandaise, italienne, japonaise, serbe, slovaque, tchèque, thaïlandais, turc, oh mon dieu, tout ça. Ah, je suis un blanc japonais. Japonais ? La race et l'ethnie sont deux choses très différentes. Ah, le teint, bah, il a pas changé. Voilà. Je suis un japonais blanc au teint un peu mat. Tu vois, c'était pas si dur, hein. Maintenant que t'as pu te définir, tu peux faire payer les gens qui ne t'identifient pas correctement, toi et d'autres. Je suis ravi de te connaître un peu mieux, tu sais. Maintenant, va botter des fesses. Bon sang de bois. Je ne trouve pas que ce justicier soit un bon exemple pour les jeunes. Oh. Ah, c'est tellement n'importe quoi. Terminé. Ah, j'arrive. C'est où? Non, ça c'est l'appareil photo. Du coup, je vais aller là. Alors attends. Ah, c'est là. Ah, vite. Hey, nouveau, je t'emmène où? Allez, Cookie. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de, téléporteur pour le, pour Craig? C'est un peu nul. Ah, le gars, il fait partie de la bande. Et voilà. Il n'a pas le droit à son téléporteur. Madame. Oh, as-tu distribué toutes mes cartes de visite? Eh bien, je viens de terminer ta petite récompense. Tu l'as mérité, trésor. Brony ultra fourré. Hein. De Madame Cartman. Oh merde, c'est un objet clé, ça? Qu'est-ce que je veux en faire? Ah, j'ai très peur. Ah ouais, en plus, c'est marqué en gros. Trouve sacripant. Vite. Merde. J'annule. Trouve. Sacripant. Vite. Voilà. Te voilà. Eh ben, ça, c'était tellement marqué en gros. Le gars qui voit rien. Ah, c'est quand même la loose. Trouduc a interrogé Glacy et il a découvert que la piste suivante était au Houstorit, ici en ville. Il faut s'y infiltrer ce soir. Ça peut pas se faire. Pourquoi, moustique? Parce que l'entrée du Houstorit est en lave. Entièrement en putain de lave? Merde! Il doit bien y avoir un moyen de passer. Y'a... boîte à outils. Boîte à outils? Qu'est-ce que cet enfoiré vient faire là-dedans? Y'a un appareil qui dégage la lave, tu te souviens? C'est un de ses super pouvoirs. Hé hey. Et boîte à outils a dit qu'il devait un service au nouveau. Eh ben, on dirait que tu vas de nouveau nous servir, Trouduc. Super Craig, envoie un email anonyme à boîte à outils. Dis-lui que le nouveau souhaite un retour d'ascenseur. Tous les autres, rentrez chez vous et au lit. On se retrouve au Houstorit ce soir. Au lit, tout le monde. La bande est sur l'affaire. Rentre chez toi, Trouduc. Si tout se passe comme prévu, boîte à outils te retrouvera plus tard. Mais prudence, c'est un faux cul, un traître renifleur de Dersh. Retire le costume. Ouais, vas-y. Ah, je suis de nouveau un random impuissant. Ah, mon dieu. Ah, je vais me coucher. C'est où chez moi, d'ailleurs? Ah, ça, c'est une bonne question. J'habite où? Moi, je dois habiter à côté de Cartman, non? Ouais, c'est là-bas. C'est celle-là? On se passe là. Oh, merde. T'imagines, le gars, il sait même pas où il habite. C'est compliqué, quand même. Avale ton repas. Ah, ce mot aussi triste que Daniel n'ont pas. Va dans ta chambre et couche-toi. Allez, hop.
Pourquoi vouloir révéler ta race au proviseur? J'ai rien dit, c'est notre môme qui l'a dit. Avant que tu l'aies confirmé quand le principal t'a appelé, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il sache tout. Tu ne vois pas que notre garçon va mal? Il se pose des questions sur sa race et son orientation sexuelle car il est perdu. Mais la désorientation, c'était voulu. Plus notre enfant en sait sur la vérité et plus c'est dangereux, connasse. Mais regardez qui est là. Tu as bien joué, petite crapule. Ton dîner t'attend sur la table, mon cœur. Après, on file au lit. Tu as école demain. Ah, il y a école demain. Ah, il y a un truc qui brille. Ah, mon Dieu. Frangémo. Ah, trop bien. Je vais pouvoir m'infiltrer chez les gothiques. À cible. Ouais. D'accord. Peinture de faucon. Oh mon Dieu, mais arrêtez ça! Elvis de forme. What the fuck? Elle va dormir, mais oui. Écoute, mon cœur, je sais qu'on n'en a jamais parlé, mais ta mère et moi, nous sommes très fiers d'être japonais. Bonne nuit, mon ange. Oh merde. La nuit tombe sur la ville comme une grosse bouse. La puanteur de l'avidité, de la corruption et du crime remonte des égouts et envahit les rues. Il n'y a qu'un remède contre les grosses bouses, le goon et sa bande. Hashtag pote de la liberté enculée. Hop, ah, on y retourne. Ouais. What the fuck? Alors attends, hop. Il se passe des trucs bizarres dans cette maison quand même. Clé de cadenas argenté. What? Mais ils vont pas bien? Ça va être compliqué là. Et la planche en bois, je fais comment? Ah, du coup, faut que j'aille fouiller toute la maison alors. Ah, il y a une clé là. Ok. Pas tant que j'aurai mon mot à dire, putain. C'est pas sûr. Ils sont là, dehors. Ok, on a tout. Ouais. Ah mais la porte se pousse. Oh le con. Tiens, comment on se retrouve là nouveau? Mettons de côté nos mesquines différences. Il se passe quelque chose dans cette ville, et Boîte à outils doit intervenir. Viens, accompagne-moi au repère du professeur Chaos. Tu veux savoir avec mes origines de super-héros? Tu vois, quand j'étais petit, mon père et moi, on travaillait sur un projet dans le garage. Quand un énorme orage a éclaté et un éclair a projeté mon père loin de son établi. J'ai couru pour l'aider, mais un autre éclair a fait fusionner ses outils électriques avec mon corps. C'est comme ça que je suis devenu super-héros et mon père handicapé mental. Voilà pour toi, salope. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu... Je veux pas simplement aller te faire... Encore ? Prends ça, poufias. Randy, ramène tes fesses tout de suite et arrête de rayer ma voiture. D'accord. Mais là, c'est différent. Mon père est encore plus débile qu'avant. Peut-être que Boîte à outils veut aider son père, car il a le sentiment qu'il aurait pu le sauver sur le moment. Bonjour. Non, on peut pas prendre de selfie. C'est quoi ton histoire? Toi aussi, t'es arrivé quelque chose avec tes parents? Ah ouais, ouais, ouais. Un truc fou. Je comprends que tu veuilles pas en parler, ça doit être difficile à supporter. Ah, merci pour le follow, Edgar avec un D. Voici la maison de Mysterio. Bienvenue parmi nous. Il y a un raccourci vers le nord de la ville. Tu sens une odeur d'urine par ici? Tu savais qu'on utilisait l'urine comme engrais pour cultiver la marijuana? Quelqu'un en a fait pousser sur ce canapé, on dirait.
D'accord. Attends. Hop. Ouais. Ah, trop bien, des nouilles. Je vais pouvoir invoquer Moïse. Du coup, il n'y a rien à récupérer, là. Ah, c'est bon, j'arrive. T'inquiète. C'est moi qui ai acheté ce putain de cristal, pas toi. Tu as acheté le cristal avec nos allocs, bordel. Ah ouais, c'est le bandeau, ouais. Ah, joyeuse retrouvaille, mais évidemment. Redonne-moi cette putain de pipe, Carole. Ma chier, je fume. Tu fumeras pas ma putain de pipe. Ma chier, je la fume quand même. Ah, voilà tout. Ah mon dieu, mais c'est vraiment là qu'il faut aller? Attends. Ok. Mais what the fuck? Maintenant je vais te montrer l'outil le plus puissant de boîte à outils, la sableuse. Avec la force qu'elle génère, je peux éliminer n'importe quel obstacle. Allume-le et je te montrerai ma puissance. C'est le tunnel secret de Mysterion. Ouais. Bonjour. Ces gars nous bloquent la route. Doit y avoir un moyen de les contourner. Mon cul, ouais. C'est notre jardin d'hiver. Ah. Cette boîte en carton, c'est notre tunnel secret. Vous ne nous empêcherez pas de l'emprunter. Ton tunnel secret, c'est notre terrasse. Ok, le nouveau, je crois que toi et moi, on va devoir percer ces gars. Allez, on va se les faire. Approche, petit. J'ai des œufs durs plein. Ah bah non. Prépanez ces gars-là, c'était censé faire référence à un outil, tu captes? Bon, c'était tiré par les cheveux. Tu sais, des vannes avec des outils, y'en a pas des masses non plus. Je peux rien faire. On va leur serrer les boulons à ces types. C'est mieux, là. Je m'y repencherai plus tard. Alors, attends. Du coup, je vais poser ma tourelle là. Ah, voilà. Ah, ça fait mal, hein. Je sais pas encore quel joli coup je vais te montrer en premier. Ok, Ah. Bien, bien, bien. Ouais, de la gâchette. C'était ma fronde perforante. Vous nous embourgeoiserez jamais. C'est ce qu'on fait aux boboisateurs par chez nous. C'est l'heure de faire chuter quelques valeurs immobilières. Tu peux le faire, Trouluc. Bien le nouveau, c'est à toi. Ouais. Du coup, je peux le tuer. Ah, je vais plutôt y aller comme ça. Attends. Parce que sinon, je peux mettre là. Là, j'ai les deux. Tu te charges des affaires, Protoman. Ça tabasse, hein? T'es assuré, Trouduc? Trouduc les a anéantis! Ah, salut Maxi Belloff! Comment ça va? Oh, il a rien repéré. Ah, c'est expiré! Passez à l'action! D'accord. Alors, attends. Ah, du coup, je peux en rester loin en fait. Même plus loin que ça. Je le touche là. Non, là je le touche pas. Là je le touche. Double crucifix. Ça c'est une situation pour la tête cruciforme. Je vais faire de toi mes nouvelles chiottes. Ah voilà, non mais oh, on peut pas m'arrêter. Ah,
Alors attends. Du coup, je crois qu'il y avait... Il y a un truc là à prendre. C'est quoi? C'est où? C'est ça? 25 centimes? C'est sérieux? Il y a vraiment du pognon par terre. J'avais jamais fait gaffe. Attends, il y a un autre truc là. Voilà. Ah bah oui, non mais c'est la base. Ah, c'est eux qui voulaient pas se pousser. Hein. Alors que je suis un super héros. D'accord. On est où là? D'accord. Ah, vas-y. Ah mon dieu! Voilà, les amis du Koun, rassemblement! Eh ben, on dirait que le maudit traître montre enfin le bout de son nez. Eh, wow, wow, non! J'ai dit que j'étais le nouveau, pas vous les losers! Ouais, bah le nouveau fait partie de la bande, et la bande se serre les coudes, abruti! Allez, il faut passer cette clôture. Ouais, boîte à outils, c'est ce que veut le nouveau. D'accord! Tant qu'il y a un générateur électrique pas loin, je peux utiliser ma sableuse pour éliminer n'importe quel obstacle. Ouah, c'est fantastique! Ça a marché! Le Koun et sa bande, en avant! Laisse-moi te dire un truc, boîte à outils. Je te fais pas confiance. Tu fais un pet de travers et je te pulvérise. Je suis seulement là pour le nouveau gros cul. Après soir, on redevient des ennemis jurés. Bien, Glacier a dit que les chats finissaient tous dans l'un de ses locaux de stockage. On se disperse. Viens là, Minet. Viens, Minet. Viens là, Minet, 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 miaou, miaou. Viens, Minou, Minou. Ah, Minou, Minou. Minou, Minou. Ah, je vois rien, boîte à outils. Il me faut plus d'élan. Et toi, un cerf-volant, je pensais que tu pouvais voler, non? Pas tout le temps. Et moi qui croyais qu'en tant que cerf-volant, c'était léger. Encore un stéréotype. Bah. Sacripant. C'est l'histoire d'une bande de gamins qui font leur univers franchisé pour essayer d'être diffusé sur Netflix. Minou. Avec, en retrouvant un chat qui a une prime de 100 dollars sur sa tête. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui pourrait mal tourner et pas être pris au sérieux, franchement. La clé de l'arrière-boutique, d'accord. Le coffre-fort, il était pas verrouillé. Ouais. Sacrément. Je ne crois pas qu'il y ait des chats ici. Oh mon dieu. Ah, il y a une marque bizarre. Viens Minou, 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 Minou. Ah, c'est verrouillé. Je peux y aller. D'accord. Ça marche pas. Mec, j'ai rêvé que j'étais un torchon à vaisselle. Un putain de trip. Si tu veux. Attends. Ah oui, d'accord. Non mais, tiens-le. Comme ça. Voilà. Ben oui, non mais c'est le sens des priorités, Cap. Tout va bien. Tout est parfaitement normal. Et là aussi, du coup, il me faut... Il me faut un truc explosif. Alors, attends. Non, descendre l'échelle. Voilà. Ok. Exécuteur sans fin. D'accord. Alors attends. Ah du coup peut-être que si je ressors et je re-rentre, le machin de pétard va revenir. Viens, tu vois. Non, il revient pas. Hein. Ah bah oui, mais je suis con. Je peux faire ça. Hop. Voilà. J'oublie tout le temps ce pouvoir. Le gars il peut remonter dans le temps, il s'en rappelle pas. C'est balleux quand même. Ok.
Il y avait rien en fait. Rien, Minou. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait des chats ici. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah mon dieu! Putain mais... Bonjour, la bande des coons. Le coon et sa bande. Bienvenue dans mon repère. J'ai acheté plus de papier alu et de mignons que vous ne pouvez imaginer. On m'a donné $20,000 pour tenir les fouineurs à l'écart. Quoi? 20 000, juste pour empêcher les gens de fourrer leur nez par ici. Mais il m'en faut que quelques centaines pour ça. Alors, vous savez ce que je vais faire avec tout le reste? Aller à Paris, taper du Viagra et baiser de la petite française. Super Craig. Faux! Je vais détruire cette ville et prouver que c'est moi le méchant et pas ce nouveau caïd de merde. Adieu, la bande des coons. Ah mon dieu! Fais chier. Ok, on trouve ce qu'on a dû chercher et on se casse d'ici. Ah putain. Ah le con. Bienvenue dans mon antre de chaos et de terreur indicible. À qui poutre? Ah! Viens, Minou Minou. Ah, oh, salut mec. Ouais. On n'entrerait jamais. Ah mais j'ai un diabétique avec moi. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Rien d'insurmontable pour Capitaine Gavet. Gavet on destroy. Les voix sont juste horribles. Mais non, elles sont parfaites. T'inquiète, Bois Audi. Trop Duc va invoquer ses pouvoirs temporels de folie. Hein? Qu'est-ce que je fais avec mes poules? Ah oui, d'accord. Attends, hop. Voilà, on rembobine. Comme ça, le machin, il se remet debout. Et on peut passer. Le pouvoir temporel dès que tu le sens, le nouveau. N'oubliez pas que j'ai des pouvoirs. Oh, je croyais qu'on était amis. Vous n'entrerez jamais. Ma forteresse est impénétrée. Ah, mais le cerf-volant, il est passé par au-dessus. Il triche. Oh. Ah, c'est verrouillé. Ouais. Et là? Ah là, on peut y aller. D'accord. Parce que finalement, tu vois, South Park, c'est une série low cost, techniquement complètement à la ramasse. Du coup, des voix à la ramasse, c'est parfait aussi. Et on pourrait pas faire plus dans le ton que ça. Et c'est ça qui est beau. Je vous vois. Vous ne croyez tout de même pas que je n'avais pas prévu de plan B? Vous savez au moins combien de mignons on peut acheter avec $20,000? Butters, tu veux bien rentrer chez toi? On essaie de trouver un chat perdu! Dans vos rêves, la bande des coons! Butters, en fait, si quelqu'un te donnait un gros paquet de fric, légalement, cet argent reviendrait à notre franchise, à nous tous! Non, plus d'argent, c'est... plus de mignons! Voyons comment vous allez vous en tirer! Ah mais y a pas de problème! Alors attends... Ah non, moi je veux pas le cerf-volant, hein. Casse-toi! Alors attends. Il y a qui? Il y a Super Craig, le moustique, Captain Diabète. Assoiffé je vais de prendre justice. Le moustique. Et l'autre aussi, le coon, là, on en a rien à foutre de lui. Donne-moi Captain Diabète. Voilà. Ah bah si, ça correspond au personnage. Après, c'est pas les mêmes voix que dans la série animée. Mais bah ça... Ah ça, personnellement, je m'en fous, parce que je suis pas la série animée, perso. Donc... ça me va très bien. Ok. Après, globalement, elles font le taf, hein, les voix. Y a pas de problème. Hein. Là, y a un truc à 69, mais il est là-bas. Et du coup là... Ah, j'arrive à des... Ouais... Attends, je vais prendre ça... Et là, je mets l'autre. Voilà. Ah, ok.
Clyde ? C'est qui Clyde ? Je connais pas les noms. Le maître veut qu'on répande le chaos. Ne vous laissez pas intimider par ces super nullards. Alors attends. Alors du coup, faudrait que je les contourne, finalement. Je vais les forcer. On va plutôt venir par là. Non, attends. Voilà, comme ça. Je vais te libérer de chaos. Le moustique perd force sans souci, l'armure de chaos. Allez, mes mignons, voilà. L'heure de nos ennemis a sonné. Ah bah, il y en a aussi tout en haut. Ah, ils sont nombreux. Il peut rien faire face à chaos. Boîte à outils contre les mignons de chaos. Battez-vous. Attends. Ah, pourquoi ça marche pas là? Ah si, c'est bon. Ouais, c'est pas trop cool. Il vous faudra faire mieux que ça pour venir à bout de mes hordes de mignons, la bande des cônes. Aucune idée. Jeune Folie, il regarde pas la série. Oh merde. Alors attends. Ah là, du coup, je peux me faire les trois en même temps, normalement. Boîte à outils. Je ah non, mais c'est à moi. Ah non, il y en a un au-dessus. Je le touche ou pas? C'est pas très clair. Je te touche là-haut ou pas? Je sais pas trop. Bon, on va dire que je touche, ouais. Et hop. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Diabète ne craint pas, KO. Eh bah, évidemment. Un Captain Diabète, il est encore plus fort que Captain Planet. Oui, oui, détruisez l'outillage électrique. T'es prêt à te faire pomper, petit mignon? Ok. Tu sors prêt. Voilà. On avait fait compter un grain de sable du sablier représentant votre... Tous contre la bord des coudes, mignon. Vous allez vous faire déboulonner, mignon. Alors... Parce que si... Ah, je pourrais mettre... Non, ça le tuerait pas de toute façon. Donc faut faire comme ça obligatoirement. Et ça le repousse. Tout allez, vas-y. De la mort. Ah, je hop. Sers la vie, c'est KO. Je voilà. KO au petit déjeuner. Allez, pour. Voilà. Vous n'en avez pas fini avec le professeur KO. En fait, ce n'est que le début de mon plan de journal du. On en vient à bout. Le JDG, pourquoi qu'est-ce qu'il a fait le JDG? Oh putain, quoi encore? Avec ces nouveaux fonds, j'ai trouvé une source de mignons encore plus formidable. Tous prêts à travailler pour des salaires plus que raisonnables. Vamonos, mignons, détruisez la bande des coons. Le coon et sa bande. Bon les mecs, on peut pas rester là comme ça et les laisser déconner avec le nom de notre équipe. C'est l'heure du coon. Mes mignons arrivent. Bah, j'ai pas peur. Alors attends. Du coup, lui, on va le mettre là. Oh, tu l'as laissé te cogner. Le petit gringo es muy malo. Si, il paye buen dinero, alors. Ça va déborger. Ah, du coup, lui. 28 à peine. Ah, c'est pas top, hein, 28. Ça fait du bien. Yeah. Hey, je vous paie, et pas qu'un peu, alors je vois des résultats. L'heure de la destruction okay. Est venue. Voilà, alors... Alors lui, il a son ulti qui est prête. Mais ça le tue direct. Ça tue aussi. Ouais, non, je vais la garder pour quelqu'un d'autre. Ce sera mieux. Est-ce que Butters va encore à l'école? Allez les mignons, vous pouvez faire mieux que ça. Pause. Yo no quiero pelear contigo. Allez, Tronic. Ok. Allez, vas-y. Thank you.
Arrête tout KO. Oh mon dieu. Ah ça fait mal. À mon tour. Alors. Ah du coup, là sa furie, ouais, elle peut tuer. C'est pas non plus. Non. Je vais la garder pour l'autre plutôt. Par contre là, je peux mettre là. Meurs, misérable mignon. Lâchez-vous, mignon. Attaquez, mignon, okay. Attaquez. Allez, joli coup à faire faire. Mais le diabète l'emportera. Je suis prêt, et mon pot à insectes aussi. Là ça tue, là ça tue pas. Ah, je fais mal à tout le monde un peu. Et là... Bof. Ah, je vais plutôt le faire là. Hein. Allez hop. Ah, elle a fait une musique sur Captain Diamond. Ah, je me rappelais pas du tout. Je me rappelais pas du tout. Allez, GDG, ouais, je les regarde, mais... Je vais démonter KO. Après, c'est pas les trucs que je me rappelle. Ah, tu sais, tu rigoles bien sur le coup, et puis... Après, t'oublies. Du coup, là... Attends, il n'y a pas... Attends, mais ils sont durs à optimiser, lui, c'est... C'est cool. Ah, bon sang, celui-là était au SMIC. Oh, ma tourelle! Salaud! Alors, ah lui il va crever. Et lui... Du coup si je me mets là... Allez vas-y. Oui non? Okay. C'est un de mes mignons que tu viens d'avoir. Et hop, à des bisous. Mignon, vengez votre frère mignon. Ok. Alors, hop. Voilà. Oh, wow, c'était pas gentil ça. Descends, t'en piqué. Figure. Impeccable. Captain Silver, je suis tristesse. Et parce que t'as déjà c'est tellement de charisme, en fait, t'as pas besoin d'avoir de musique à ton nom. Super Craig et moi, on monte sur les toits. Ah, du coup, j'ai pas écouté. Je vais où? Ah, je peux aller là. Bonjour. Ouais. Tenue de terre désolée. D'accord. Ah, c'est Fallout. Non. Non, ça devait pas être ça. Il faut le faire descendre. Ah. Ok. Ah mon dieu! T'es mort. Un petit pause. Voilà. Je pensais que j'avais plus de marge. Ok. Ah ça va, le gars il a carrément un missile dans son garage. Et tout va bien. On est bien aux États-Unis finalement. Ok. C'est un suppositoire. Paré au décollage.
C'est peut-être un suppositoire pour géant. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Non, c'est par au-dessus. Hein. C'est là-bas. Ah, on peut passer. Mais là, du coup, c'est un peu le même problème, finalement. Oui. Ouais. Allô? Qu'est-ce que je suis censé faire, là? Ah, y'a un truc là. J'avais pas vu. Ah, d'accord. Ah, bah oui, bah attends, attends. Ah, je me suis baisé du coup. Voilà. Il pourrait le faire avec la main quand même, le gars. Hein. Il se fait chier avec ses pétards. Allô? Pourquoi je peux pas la prendre? Ah, si. Voilà. Recette réveil abyssal, ouais. Enfin, du coup. C'est plus stylé, ouais, sûrement. C'est vrai qu'en tant que super-héros, il faut toujours faire les trucs de manière stylée. Sinon, sinon c'est pas bien. Ok. Voilà. Ah, je peux... Alors, attends. Genre, est-ce que je peux mettre sur pause? Et aller choper le machin. Ouais, je peux. Voilà. Ah ouais. Et là, tu vois, c'est la colle d'Edgar, mais sans D. Pourquoi K.O. voudrait-il envelopper un camion entier de papier alu? C'est pas le problème. C'est vraiment le papier alu qui vous ennuie? C'est qui celle-là? Tu avais raison. Cool girl. Italien, la nouvelle. Le propriétaire fait partie d'un nouveau syndicat du crime. C'est qui celle-là? Aucune idée. En tout cas, elle fait pas partie du groupe. Excuse-moi, t'es sur Instagram? Il y a un nouveau en ville qui rassemble toutes les familles du crime sous la même bannière. Bon, super, merci, ciao. Tu veux dire comme un caïd? Eh, ne dites rien, les mecs. On joue pas avec elle. Va voir le local de stockage 56D, la nouvelle. Et tiens, prends ça. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Je pense qu'il va te falloir toute l'aide nécessaire. En fait, n'importe quel crétin croit qu'il peut devenir un super-héros, c'est ça? Bon, trouvons sa clip et finissons-en. Ah mon dieu, il y a encore des sbires. Ouais. Le chemin est bloqué, on n'a pas de compresseur, il faut passer par un autre endroit. C'est un peu ringard d'avoir un super pouvoir qui ne fonctionne qu'avec un compresseur sous la main. On n'est pas dans la légende de Zelda, mon pote. Va te faire foutre, Koon. Tenez, utilisez ça. Je vois personne d'encore capable de déplacer de la lave, Koon. Joli déplacement de carton, le nouveau. Ah, je me suis entraîné dans Zelda pendant 40 ans. Au moins. Je suis un expert. Attends, arrête de faire n'importe quoi. Du coup, faut le mettre là. Mais c'est un beau carton que t'as là, bien costaud. Bon, on peut continuer. Okay. Très beau travail de carton, on en vrai. Ouais. J'ai même pas 30 ans, bah oui, mais. Parce que j'ai fini le premier Zelda 10 ans avant ma naissance. Au moins. Général Désolation. Ah mon dieu! Gaffe, c'est un rouquin.
Savez-vous ce que le professeur K.O. a projeté pour cette ville? Écoute, mec, toi et Butters, vous poussez le bouchon trop loin. Ouais, c'est le moment de vous donner une leçon. Ça sera pas aussi facile que vous croyez. Cartman, les gars. Putain. Des minions, vamonos. Ah, bah allez. Au nom de K.O., je vais vous asperger de lave jusqu'à ce que vous demandiez pitié. Agenouille-toi devant. La cible prioritaire, c'est le général. Alors du coup, moi, je l'écoute. Hein. Je vais tabasser le général. Oh, mais il appelle des renforts. Oh, il triche. Rentre chez ta mère, abruti. Micro-agression. Frappe-le. Je vais perforer les méchants. Stick, ça sentirait pas les burritos? Ça fait quoi ça? Soigne et rafraîchis tes alliés. D'accord. Bibiou, bibiou. Oh. Allez les mignons, vous pouvez faire mieux que ça. Allez, acolyte, écrase-le. Mignon éliminé, plus que 843. Pierre Mignon, agachez-se. Alors. J'espère que le maître a vu ça. YOLO. Alors vite, on va tabasser l'autre. Tu sens prêt? Aïe. C'est ça d'engager des minions de second ordre. Laissez entrer les machines de la mort, baptisées les Mecha Minions. Estamos colocados en el modo. Allez les Mecha Minions, vamonos. Oh putain. Et t'es sérieux? Oui. L'heure de la justice maison a sonné. Ouais, c'est bon. J'ai des tas d'outils chez moi. Ça te dirait de jouer avec la scie sur table de mon père? Non. Ah, je me fais combustionner. Du coup, je vais jouer comme ça. Allez, vas-y. Il faut d'autres minions ici. Estoy aquí. Ça a pas l'air très juste. Le petit gringo est muy malo. Si, mais il paye buen dinero. Ma tourelle. Non. Alors attends. Ah, du coup je peux pas le toucher. Faut mieux finalement que j'aille par là. Je tue. Je vais plutôt la jouer comme ça. Comment ça va perdre? Mais non, pas du tout. À qui c'est qui perd? Vous allez tous être détruits au nom de K.O. Cours, mec! Encore? C'est le général! Tes attaques ne font que renforcer ma rage! Préparez-vous au bruit à transport monotone de vos bords de monde! Alors, attends. Ouais, je peux faire ça. Pourquoi pas?
Sácame de este artículo antes de que yo... Mierda. Rencontre mon créateur, arrive. Je veux dire le tien de créateur. On avance un peu à chaque tour. C'est comme ça que ça marche, une perceuse. Arrête. Ah, c'est pas grave. Perceuse laser. Ah, tu t'es fait grave perforer. Ok, j'ai mes bas. Pero era mi turno. Ah, voilà, ça va. Allez hop, à des bisous. De stupéfaction. Ah oui. C'est trop bien les tourelles. C'est comme dans Overwatch finalement. On devrait faire un... Attends, Super Krag. Putain merde, Super Krag. Super Krag, tiens bon. Merde, on n'a pas le compresseur sous la main. Impossible de virer la lave. Tiens bon, Super Krag. On va trouver un truc ou brancher la sableuse de boîte à outils. Toi et moi, on sait que je suis déjà mort. Non, Super Krag, on va trouver un moyen de te sauver. Fais quelque chose, boîte à outils. Y'a rien ici, ma sableuse a besoin d'air comprimé pour fonctionner. Va chercher celui de l'entrée. Les portes ont claqué, je te signale. Vous en faites pas, les gars. On connaissait les risques en acceptant de rejoindre le Coon et sa bande. T'inquiète, Super Krag, on va te ramener à la maison. Désolé, Coon, mais il semble que je sois bon pour en aller simple. Non, Super Krag, non. Je commence à voir défiler mon passé. Des choses avant Dieu. Des gens avec qui j'aurais pu être plus gentil. Qu'on apporte un putain de compresseur. Si au moins il y avait du vent ici. Triste jour pour le Coon et sa bande. Mes ailes ne sont pas assez balèzes pour lui faire passer la lave. Mes chaussures n'encaissent que la chaleur des frottements, pas la lave. Ouais. Ah, du coup, je vais péter dans sa sableuse. Ça va pas la tête. T'as conscience du fait qu'il faudra accoucher pour que ça fonctionne. Utilise L et R. D'accord. Putain, c'est son trou de balle, ça. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le nouveau s'est fourré un tube dans le cul et a dispersé toute la lave. Ah. Les gars, allez choper KO. Moi, je vais essayer de stabiliser Super Krag. Ah, merde. Tout va bien. C'était quoi, ce truc, enfoiré? Ça, c'est une injection intracardiaque, Super Krag. Il fallait que je te stabilise. Ah, mais tu déconnes ou quoi? T'aurais pu me tuer, putain. D'où est-ce que tu tiens ça, Cartman? D'internet, Super Krag, garde ton calme, tu es gravement blessé. Partez devant vous autres, je vais essayer de stabiliser. Eh, hey, c'est vraiment cool comme truc. Maintenant, on peut faire disparaître la lave comme on veut. On fait une super équipe, Troduc. Ouais. Suis-moi, Troduc. Ah bah, j'arrive. C'était du méthane. Ouais, mais non, mais ça va. C'est de la lave en Lego, donc... Is ok. Il faut qu'on monte sur cette plateforme de château d'eau pour faire un peu de magie de poutre mobile. Dégagez les amoureux de l'ordre, c'est réservé au chaos ici. Et il faut que tu le fasses taire, lui. Il est vraiment relou. Oh oh, ça a pas l'air bon, ça. Hey, qu'est-ce qui se passe en bas? Si vous faites des dégâts, va falloir... Ok. Tu pourrais peut-être utiliser tes pouvoirs recto pour... À une heure, je finis mon live. Et du coup, cet après-midi, ce sera du Fire Emblem Warriors. Et ce soir, je sais pas encore. On va sûrement... sûrement finir Splasher. Mais pas sûr non plus. Alors attends, du coup, faut retourner là. Le temps est... Je sais que c'est moi le plus intelligent, mais je me suis dit que... Ouais, c'est vrai, j'aurais pu... Mais j'avais pas envie. Oui. Quoi? Attends. Il faut que... Ok, ça va... Mais non. Nous rapprocher un peu, continue. Du coup, je peux monter là ou pas? Je peux pas monter là. Attends, je me suis trompé de côté là.
Le temps est au... Ah, c'est... Ouais, tu veux pas? Non? Je l'ai bien fait là, là. On peut peut-être tirer quelque chose. Faut que je vire. Voilà. Ok. Boîte à outils toujours bien munie. Ton cul est génial, mec. Super, on peut décoller. Montons vite là-haut. Mais pourquoi je suis monté là, moi? Je comprends rien. Waouh! On peut tout voir de là-haut. D'accord. Ah ouais, c'est complètement E.T. E.T. pétait maison, un truc comme ça. Ouais. Par ici, le nouveau. D'accord, bah, j'arrive. Vois si tu peux faire quelque chose avec cette lave. Boîte à outils, là. Bravo! Très bien, continue entre Duc. Ouais. Bonjour. Ok. Pourquoi t'es caché? Faut pas se faire voir. Va couler, KO va régner. Complètement naze. Chopez ce justicier. Voilà. Alors moi je veux le sac. Attention à être au duc. Alors. Ah du coup je pose ma toile là. Allez hop. On n'a pas le temps. Voilà. Tu veux te battre mano a mano conmigo? Avec moi tous sur ces enfoirés. Aïe! Bordel! Tu ne peux rien contre mon maître. Voulez-vous adversaire? Et bien vite l'emportera. Qui vais-je avec tes? Alors, du coup là je peux tous leur péter dessus finalement. Allez vas-y. Voilà. Tu devrais vraiment te passer le tube buccal à l'alcool entre les repas. Sur toi. Trop dur que tu es de la noblesse, mais évidemment. Ah je suis quelqu'un de noble. C'est la base. J'ai cruci. Super, t'as de quoi affûter les trompes dans ta ceinture. Ah, il tape fort, lui. Dégoûtant, Americanos. C'est mon tour de frapper. Tu peux le faire, Trouduc. Bah, bien sûr. À mon tour. Allez, vas-y. Du coup, je vais tabasser celui-là. Ouais, ce sera... Parce que si je tabasse celui-là, je le tue. Non, je le tue pas, lui. Je vais tuer celui-là. Ennemi anéanti. Ça va saigner. Entropie. T'as envie de pleurer? Ça c'est. Vas-y, à toi le nouveau. Alors. Un coup, si je me mets là.
chose d'une tabasco. Yo no quiero ce genre de travail. Le chaos et la folie t'attendent. Aïe, ah, ah, hein. Je peux rien faire face à chaos. Ah, la furie est chargée. J'ai la nausée. Allons-y. Ah non, 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 non. Ah, tu tues pas ma... Quoique... Bon, si, vas-y, tu l'as. Je m'en fous. Ça va être la nuée. Alors, attends. Ah, du coup, si lui, il se met là... Là... Allez, hop. T'es sûr de sang. J'ai l'outil qu'il faut pour ça. Ok. Tournevis de la mort. Bon. Délire. L'heure de diabète a sonné. Je suis trop loin. J'entends l'appel du chaos. Bonne nuit. Allez, conduit. Ah, cette mort nulle. J'entends l'appel du chaos. Ah, c'est tellement beau. Ah, merde. Mais oui, le moustique, il est super balèze. En plus, il se régène sa vie quand il tape. J'entends des chats. J'entends des chats. Ah, moi, j'entends des voix. Ah. Je ah, mon dieu, qui écoute. Du coup, là, y'a rien. Hey, mais c'est quoi ce bordel ? C'est qui, ça ? Oh mon dieu, c'est le justicier. Tout juste, le cône. Et un petit gros aussi. Ce chat, où est-il ? Attends, c'est du matos de première bourre. Un chat, comme c'est direct pour le boss. Espèce d'abruti, ne me parle pas de lui. Maintenant, il faut qu'on tue ces morveux. Oh mon dieu ! Des dealers de bête. Mais c'est terrible. Donnons-leur une leçon. Qui a envie d'une trompe dans le cul ? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah bah si si. Ouah, mais du coup là je vais tout faire exploser en fait. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Allez hop. YOLO. Voilà. Ah bah ouais. Ah mais fallait forcément essayer. C'est la base. Et il est... Ah si, il est mort. J'ai cru qu'il était pas mort. Mais ça valait le coup. Je pointe. Alors attends. Parce que... Moi je reste derrière. Parce que là je touche personne. Hein. On peut pas bouger la caméra. Ça c'est relou. Double précis. Merci. Merci. Je compte sur ton partenaire. On les marave. Capitaine Diabète s'apprête à frapper. Du coup, je vais me mettre là. On dirait que tu as besoin d'un coup de main. Ah bon ? Ah, trop bien ! La rabatteuse ! Je suis sûr que tout le monde te soutient dans les groupes de discussion, rabatteuse ! Ah ! Putain, elle tape loin, hein. C'est tellement abusé. Tu ne ferais jamais une chose pareille, pas vrai, rabatteuse? Bien sûr que non, sauf si tu le méritais. Quoi? J'ai le droit de rien faire? Allez, on y va! Dégaine! Oui. Tu les as chopés, Stan. Techniquement, je les ai percés, mais merci! Ouais. Oh, pourquoi pas.
un mauvais pressentiment. Alors, ah, lui, je peux le tuer. Allez. Ah, les amphires ne sont pas de taille contre nous. Hashtag mon tour. Si tu veux, madame. Ah, attends. Du coup, je touche ou pas? Je sais pas trop. Ça fait quoi, ça? Gagne blocage et enrage ton adversaire. Ouais. Oh, vaut mieux... Faut mieux le tuer tout de suite. Je me concentre sur le signal. De toute façon, t'avais besoin d'un upgrade, non? Ça vaut pas la tête. Et en route. Attrape ça, trou du cul. C'est pratique de t'avoir sous la main, Stan. Merci, rabatteuse. Attention. Ok. Ah, là, ça va le faire exploser, du coup. Allez, hop. Ah, il doit pas être bien. Voilà le vrai pouvoir du gamin. Oui, je le touche, là, ou pas? Je sais pas trop. Non, je le touche pas. Ça veut dire qu'il est en dessous? Allez, en dessous. Parfait. Ben oui. Groupe Canal Plus. Ah, je sais pas. Bah non, parce que Ubisoft n'est pas détenu par Bolloré. Donc ça marche pas. D'ailleurs, c'en est où ces dramas? Ok. Le boss a réussi à faire travailler toutes les familles. Les Italiens, les Russes, les 6e. Ils travaillent tous pour lui. Nous, on met juste le pizza dans la drogue et l'alcool. C'est qui le boss? Il le fait même pas pour l'argent, mec. C'est comme s'il voulait propager le crime dans les rues. Waouh, ça fait froid dans le dos. T'as même pas idée. On doit suivre les ordres, vous comprenez? On signe notre arrêt de mort en crachant le morceau. Oh mec, ça déchire. Allez, par ici. Une pluie de chaos. Ah, génial. Vous êtes arrivé loin, la bande des cônes, mais vous voilà piégé dans mon... Ah bah, rip les chats. C'est bon, quand tu veux, le nouveau. Alors... C'est parti. Gros mot de passe. Règne s'arrête ici, Kun et sa bande. Ouais, personne ne survit. Ouais, ils ont des tourelles aussi. Il faut qu'on atteigne cette échelle, Trudy. Toute la ville va brûler et ensuite le feu de chaos consumera le monde. On met le tuyau en surbrillance. Quel tuyau? Je sais pas ce que je fais. Non, c'est pas ça. Ah, merci pour le follow, à Kuntamada. Bienvenue parmi nous. Adzusa, c'est ça que tu parles? Et Jeff Geek aussi. D'accord. Toutes les créatures de la Terre seront recouvertes par le magma brûlant. Hop. Ouais. Ah, c'est là. Salut. Ah, génial, des feux d'artifice. Ah, vous êtes perdu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si. Tu aurais dit que les feux d'artifice étaient... Ah, ça... Ah merde. Ah, il m'a tellement mis une patate. À l'attaque, chaotique. Ah putain. Ah, bah merci. L'heure de chaos a sonné. Ok. Et merci pour le follow, du coup.
Ah, les gifs. Ah bah oui. Ah bah les gifs aussi. Ah bah tout est énorme chez moi. C'est ça qui est beau. Alors du coup, ah, si je fais ça. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Hop. Ouais, comme ça, en même temps, ça me booste l'attaque. Aux ordres du désordre. Après, je m'en sortirai mieux. On va vous mettre à l'envers. C'est parti. Alors là, du coup... Ah, je peux enfin sortir cette attaque et toucher deux gars en même temps. Incroyable. À toi de jouer, le nouveau. Alors là, du coup... Et si je mettais ma tourelle contre la tourelle? Tiens. La mienne allait mieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, c'était complètement débile, mais... c'est pas grave. Au moins, il y a eu un mort. Du coup, là... Ah, je le tue pas. Ah si, il est mort. D'accord. Bah écoute, tant mieux. Le chaos est sur toi. Ça ne s'annonce pas très bien. Ah mais les ennemis aussi, ils se prennent les balles. D'accord. Il va avoir droit à prélèvement de sang. Ça fait du bien. Allez hop. Maison a sonné. Ah, attends, mais qu'est-ce qu'il reste à taper? Juste la tourelle, hein, c'est ça. Ah non. Non, si, c'est bon. Prends ça. T'as plus la diabète, t'as vu, boîte à outils. Ouais, ok, merci. Aïe, aïe, aïe. Tu vas souffrir. Ah bah, il y en a d'autres là-bas. Oh mon dieu, vite. Voilà, je m'en vais. Il va falloir changer de côté. Des chiens. Pourquoi faut-il que ce soit des chiens? Ça mérite un peu. Le gars, il doit être content. Il arrive sur le train, il se prend 1000 barres direct. Oh putain. C'est un mot qu'on dirait inventé pour cette tourelle. Ouais. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, a-t-elle un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler? Alors je tiens. Je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. C'est quoi cette chanson? Ah, je vois pas d'où ça vient. Que faire? Mince. Capitaine Diabète en fait de la chair à saucisse. Préparez-vous au bruit à transport monotone de mon bourdon de bourse. Ah, mais il y a un géant derrière! Ah, l'angoisse. Oh, cool, du groupe B. Tu dois aimer les fêtes, toi. Ah, faut se calmer. Chante avec moi, Garou, Notre-Dame de Paris. Ah, mais c'est... Ah oui, mais t'as changé le nom. Ah, mon dieu. Ah, bah bien. Attends. Là, j'en touche qu'un, du coup. Estos chamacos se parecen a mis sobrinos. Cállate. Somos robots sin ser recordia. Bon, on dégage le robot. Le chien, je veux dire. Boîte à outils, mets dans le mille. Oh ouais, ça brûle, pas de doute. Il va y arriver, Trouduc. Ok. Du coup, là... Ah, j'en touche qu'un ici. Je peux pas aller plus haut. Merde, je me suis baisé, en fait. Ouais, je me suis totalement baisé. Bon, bah, c'est pas grave. Après, on va faire ça comme ça. Oh, salut, ah du coup le gros arrive. Ah mon dieu. L'heure du chaos a sonné. Aïe. Yes, pas pleurer, pas pleurer. Ok. Hop 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 hop. Des bisous. Ce sera pour la prochaine. Reste tranquille. Ok, alors, ah, du coup la tourelle s'en va.
Là, je peux sortir celle-là. Allez, vas-y. Ah bah bien sûr que tu vas le sucer. Allez hop. Voilà. Detecto un malfunction. Ok. Du coup si je me mets là... Ça lui fait un peu mal. Est-ce que j'ai... Ça vaut le coup de régène? Je sais pas trop. Ouais, on va régène. Tiens bon, Scott. Hop. Pour info, je suis voilà. En train de cramer. Après. Ah là, on peut l'empêcher de jouer. Allez hop. À des bisous. Abrázame, amigo. Creo que no. Parfait. Alors. Ah du coup là je vais pousser. Ah non ça pousse pas. D'accord. Et du coup là je peux faire ça. Ah c'est bon. Voilà. Easy. Easy easy. Avec des Oreos. Bah non c'est dégueulasse les Oreos. J'ai une boîte périmée que je peux ouvrir. Mais qui c'est qui bouffe des Oreos? Personne. L'avantage, c'est que bah, qu'il soit périmé ou pas, de toute façon, c'est pareil. Ça fait aucune différence, au final. Alors, attends. Hop. Voilà. Oui? Non? Tu veux pas virer la lave, là? Allô? Ah, si, quand même. Boîte à outils, est-ce qu'il faut? Joli! Ah mon dieu! Ah tous ces camions de lave en Lego! C'est horrible! Les gens ils vont tellement se faire mal aux pieds! Faut arrêter ça de toute urgence! Non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller là? Non? Allô? Ouais. Un chaos base. Oui. Pourquoi il y a personne qui est monté? Ah bah il y a lui là. Putain, qu'est-ce que... Oh la vache, il va noyer la ville entière sous la lave. Eh bien, je vois que vous êtes finalement parvenu jusqu'ici, la bande des clowns. Le clown et sa bande, Butters, mon dieu de merde. Et maintenant, vous savez qu'il est trop tard. Tout South Park sera bientôt recouvert de lave. Imaginez un peu, le moindre recoin sera sinistré. Tout le monde sera obligé de rester cloîtré. À jamais, le parc sera couvert de lave. Le fun sera couvert de lave. Ce sera le chaos absolu. Viens te battre comme un homme, chaos. Oh, je suis bien plus qu'un homme, le moustique. J'ai enfin réuni assez de papier alu pour assembler mon arme la plus terrifiante à ce jour. La voici. Ah putain. Et son travail. Oh ben merde alors. Maintenant préparez-vous à mourir, la bande est coune. Le coune est... Ah le bol, c'est enfoiré à prononcer ces dernières paroles. Allez go. Votre fin, méca suprême, approche. Waouh, c'est un méga projet de construction. Merci. Regardez mes missiles, les mecs, ils sont cool, non? Capitaine Diabet, dis gaffe à la déferlante de roquettes! Pour le chaos! Yeah.
lave suprême et topé au jalapeños. Ça va déborger. Ouais. Alors attends. Ah, du coup, je peux pas passer là. Ah, là, je peux le toucher. Parce qu'attends. Du coup, là, je le force à se déplacer normalement. Ah non, c'est moi qui retourne là-bas. Merde. Ah, c'est la baise. Les outils vont passer à l'action. Mais bien sûr. Ah, c'est des camions spéciaux. C'est pour ça qu'ils ont été recouverts d'aluminium. Les camions normaux ne peuvent pas supporter les briques de Lego en lave. Par contre, avec l'aluminium, c'est ok. Parce que l'aluminium, ça isole. Ils ont des Lego démesurés. Exactement. Bibiou, bibiou. J'ai rien senti du tout. Oh, on peut dire que ça chauffe. Alors attends. Ah, du coup, là, je peux poser ma tourelle. On pose Gilles. Allez hop. Allez Gilles, au boulot. Voilà. Oui. Ton méca ne me fait pas peur, K.O. Ah, moi non plus. Ok. Ça, c'est du coup de poing. Oh, je suis prêt là. K.O. Okay. Fuyez devant la mécalave brûlante. Lave de K.O. Ah mais il me fait chier lui. Protocole de Casse-toi. Relocalisation engagé. What? Hey, il se passe quoi là-bas les gars? Le crime est une maladie, je suis le remède. Mais bien sûr. Ah, attends. Attends. Du sang frais. Si ça ne les amène pas à réfléchir au choix qu'ils ont fait, rien ne le fera. Tu embauches un stagiaire pour tes streams? Ouais, évidemment. Je le paye. Je le paye avec des sachets de pâtes. Pourquoi ça t'intéresse? Perceuse laser. Il y a un nouveau shérif en ville. Enfin, non, les paquets de pâtes, tu vois, ça c'est pour. Merci, c'est pour mes employés en CDD. Les stagiaires, je me suis trompé, c'est, j'en ai tellement, je sais plus. Pour les stagiaires, ils sont payés en visibilité et en reconnaissance. Éventuellement en passion, s'ils bossent bien et beaucoup, je peux les rémunérer en passion. Et les nuls se bossent en fait. Bonne nuit. Oh merde. Ah, mes jambes. Les jambes. Oh mon dieu! Bon, ah, ça c'était pas prévu! Mais le chaos a toujours le dernier mot! Lancement de la phase 2! Rien ne peut ébranler, capitaine Gavette! Ouf! Bon, rien que mes suprêmes mignons mes cacao ne puissent gérer! Je peux y aller! Je peux y aller! Ouais. Pas de chaos! Ah, c'est trop cool! Ah, c'est à moi! Pardon, c'est la tête qui tourne! Du coup, ça craint un peu, non? Est-ce que. Je peux l'attaquer quand même. Mais il faudrait mieux que je m'occupe des minions d'abord, non? Parce que du coup. Je suis bloqué. Je suis sur la lave. Là, normalement, je le pousse. Là. Là, je vais me refaire des protections ici. Ok, l'ultime est prête. Impeccable. Je suis prêt et mon pot à insectes aussi. Du coup, là, lui, je le tue. Lui, je le. En plus, je lui pose un dot. Si je me mets là. Mieux faire comme ça. Tout va bien, mais évidemment! Francky Vincent. Ah, le salé unique. Alors.
Ouais. Bon, je crois que lui, il va mourir. Alors, attends. Est-ce que tu peux healer de manière efficace? Non, pas trop. Tu peux rien faire, en fait. Ok, bah allez, vas-y. T'approches pas! J'ai des tas d'outils chez moi. Ça te dirait de jouer avec la scie sur table de mon père? Ah, c'est clairement du feu! Ok. Alors... Ah, je me... Ah non! La tourelle peut pas encore revenir. Ok, là ça le touche. Allez. Ah bah en même temps, la tourelle elle est encore en place. Ok. Ah c'est bon, il va mourir. Ok. Du coup, là, je lui saute son tour. Ok, et là... Je peux pas le toucher. Okay. Qui vais-je affecter? Ruzika. Voilà. Phase 3 ou pas? Ah, phase 3! Non, ça ne peut pas finir ainsi! Je suis oh putain, 13 PV! T'es sérieux? 13 PV? Oh, attends, je vais. Je peux même pas le toucher là. Mais... Ah, du coup, je vais healer. Ok. Non. Ah du coup il a plus. Oui il occupe plus qu'une case. Alors attends. Je vais poser une tourelle là. Voilà. Ok. Quoi, il joue deux fois? Oh l'enflure! Ah ça va, tranquille? Personne ne résiste à Capitaine Diabète! Alors attends. Ah du coup. Ouais, je vais jouer comme ça. Oh! Ça lui a coupé le souffle. Je le sais parce que les moustiques peuvent détecter le CO2. Ok. Résiste! Vas-y. Va récupérer de la vie là parce que ça devient problématique. Ok. Alors du coup là, il faut que je descende encore une case plus bas. Attends, du coup il est full life. Je les régène. Tiens, avale ça. Ça va passer. Ça va passer. Voilà. Ah, il est immunisé à la glace. Merde. Ça, c'était pas prévu. Mais c'est pas grave. De toute façon, il doit pas faire long feu. Il y a la super qui arrive. He's ok. Souvenez-vous de ce jour. D'y pondre mes œufs. Ruée de chaos. Ok. C'est bon, l'ultra est chargé. Devoir m'appelle. Normalement, j'ai même pas besoin de l'utiliser. Tu es invincible, Capitaine Diabète. Bah, évidemment que je suis invincible. Ok, fini sur le boulot. Alors. Allez hop. Ok, avec cette config, je peux tenir à l'infini.
Donc voilà, là il crève. Chaos est à terre. Easy, easy. Clé du garage de bâtard. Ah. À point suprême du chaos. D'accord. Faudra que je m'occupe des badges aussi après. Très bien, K.O. parle. Qui t'a payé pour faire ça? Butters, réveille-toi. Je crois qu'il est mort, mec. Il n'est pas mort. Hey les gars, je pense qu'on devrait plutôt le ramener à la base. Bon, allez, il faut le mettre dans notre prison. La prison? C'est que... il se fait tard, le mec. Il faut que je rentre ou je vais être puni. Fallait y penser avant d'essayer d'enfouir la ville sous la lave, K.O. Hey, mec. C'était super de bosser de nouveau avec toi, comme au bon vieux temps. Ouais, mais je te l'ai dit, c'était que pour une fois. Je vous aidais seulement parce que je devais un service au nouveau. Allez, boîte à outils, reviens dans l'équipe. Je peux pas, cerf-volant. La franchise des potes de la liberté va rapporter beaucoup plus. T'as tout faux. On va se faire genre un milliard de dollars. Nous, on va se faire un zilliard de dollars. Bah bien sûr. Mais je suis toujours à l'heure. Mais les gars, réfléchissez un peu. Pourquoi quelqu'un paierait Butters pour répandre le chaos? Qui ça peut bien être? Peut-être que c'est Tommy Nelson. Il a toujours été borderline. Prends place, Proutman. Et si la personne qui paie Butters n'était pas un enfant? C'est ça, K.O. T'as été payé par un adulte? Je vous jure, je connais pas son nom, les gars. Personne ne sait. Il cherche juste à rassembler toutes les familles du crime en ville. Il est partout. Il ne porte pas de nom, pas de visage. Il peut changer d'aspect comme le vent change de direction. Attends, t'as dit quoi? Il dit qu'une révolution est en marche et que les ténèbres de nos propres cœurs causeront notre perte. Ah, mon Dieu. Il est celui qui nous délivrera. Et il connaît la véritable faiblesse de la tolérance. Et sa venue amènera une vague de chaos inédite, je te jure. Oh, Seigneur. Est-ce que ce serait... Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Je connais qu'une personne capable de se camoufler si facilement. Et cette personne a aussi une bonne raison d'anéantir South Park. Qui? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh non. Non, 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 non. C'est qui, Mitch Connor? C'est l'idiote de main marionnette de Cartman. Tu sais pertinemment que Connor se servait de ma main pour parvenir à ses fins. Au début, il se déguisait en Jennifer Lopez qui aime les tacos et les burritos. Quand on l'a démasqué, la police l'a arrêté, mais il s'est enfui. Mais pourquoi il voudrait anéantir South Park? Et où il trouve tout cet argent? La ferme! C'est pas cet enfoiré de Mitch Connor! Comment tu le sais? Non, Kyle a raison, les mecs! Ça peut pas être Mitch Connor! Connor est mort dans une explosion pétrolière dans le nord de l'Alaska. Fais chier, je vais me coucher, moi. Ouais, ouais, bonne idée, homme cerf-volant. Il se fait tard, que chacun rentre chez soi. Et on se retrouve demain! Après... l'école... Et voilà le programme d'info pour bien commencer la journée. Bonjour South Park. Ah bonjour. South Park a encore frappé la nuit dernière, cette fois dans un laboratoire de méthamphétamine d'un local Ustorit en centre-ville. Pour en parler, voici un nain coiffé d'un borsalino. Oui Tom, 6 personnes ont été interpellées la nuit dernière après que le justicier a démantelé un immense trafic de méthamphétamine dans le local de stockage situé derrière moi. Des témoins nous ont confié des récits à la limite du supportable, selon lesquels les pets du justicier étaient si retentissants qu'ils semblaient faire plier la matrice du temps. J'ai jamais entendu un pet comme ça, mec. C'est comme s'il avait pété sur ma queue, et que ma queue s'était trouvée transportée 20 secondes en arrière. Enfin quelqu'un qui se dresse contre le crime dans cette ville. Selon moi, tous ces individus avaient mérité qu'on leur pète dessus. Pour moi, c'est une menace. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce justicier se radicalise et fasse sauter une école ou une église. Combien de temps faut-il à Captain America pour devenir Captain Idéologie? Quoi? Le troisième opus de Captain America, ça fait combien ça? Dans les 6 ans? Environ 6 ans! Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le poste de police pour protester contre l'avis de recherche qui pèse sur le justicier. Cette ville ne sera pas prise en otage par des vengeurs masqués qui rôdent et pètent la nuit à la face des gens. Nous exhortons tous les citoyens charmés à lutter contre ce type d'oppression rectale. Ouais, c'est moi. Personne ne sait rien sur ce gamin, ni ses origines ethniques, ni même si c'est un garçon ou une fille. Qu'est-ce qu'on fait? Continuez à mettre le produit dans la drogue et l'alcool des gens. Je vais m'occuper du justicier. Ça commence largement à déraper. Vous aviez dit que vous alliez virer le maire. Vous vouliez qu'on vous laisse tranquille, commissaire, pour faire ce que vous aimez faire. C'est ce que j'ai arrangé. Restez calme et bientôt, chacun aura ce qu'il désire.
Ah bah bien sûr. Et toi, attends. C'est toi le nouveau, pas vrai? Je m'appelle Wendy. C'est cool de te voir dans notre école. Ce petit problème dont Rabatteuse t'a parlé, c'est bien pire. La chambre du commerce veut se débarrasser du justicier à tout prix. Tu vois les toilettes au parc? Rabatteuse t'attend là-bas, tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est cool que tu sois là, le nouveau. Ah, vite! Mais comment est-ce qu'elle sait que Rabatteuse m'attend là-bas? C'est son acolyte? Ah, génial! Tu vois, il a juste à tourner sur lui-même pour changer de tenue. C'est débile. Ah, il fallait que je regarde mes artefacts. Attends. Voilà. J'en ai un nouveau. Du coup. Plus 7, plus 42. Plus 10. Alors l'ulti c'est cool quand ça se recharge vite quand même. Vas-y. Et hop. Ah, sinon là, un truc de mieux, non. Ok. Là. Rien de mieux non plus. Là. Ouais, non. Ok. Montrez-vous, montrez-vous les petits. Rassemblement au repère du Koon, je répète, tous les membres du Koon et sa bande au rapport. Ah mon dieu, mais j'ai deux rendez-vous en même temps. T'as besoin de... Ah bah moi, comme dans tous les trucs de super-héros, je délaisse mon équipe qui m'a toujours soutenu et je vais voir la potentielle waifu. Attends, elle est là. Ah, du j'aurais coup... pu prendre 7 millions de selfies déjà, sérieusement. Ouais, joli je peux le nouveau. Là. Et voilà. Ah génial. Ah vite. Salut le nouveau. Nous n'avons pas encore été officiellement présentés. Je suis le caïd du syndicat du crime et toi tu te permets de péter sur mes meilleurs éléments. Mais sommes-nous si différents, toi et moi? Nous voulons tous deux ce qu'il y a de mieux pour cette ville. Tu dois sans doute être très pris, mais pourquoi ne me rejoindrais-tu pas pour qu'on puisse parler? Je suis aux ruines de Sodo Sopa. Allez, le Koon et sa bande n'ont pas grand-chose à t'offrir de toute manière. Il y a encore des SDF. Elle est où l'autre? Elle est bien censée être là, non? Ah ouais. Quoi, level 350 ou 250? Ah, je sais pas trop. Ah, faut peut-être tabasser les SDF. Ah, ta gueule. Bah, bien sûr, le sens des priorités. Toujours, toujours. Non, j'ai le cerf-volant avec moi. Oh mon dieu. Ah, pas le lotière. Attends. Ah, bah, je pose ma tourelle. Et hop. Capitaine Diamètre approuve. Ah, merci pour le follow. Tu es de noix de coco. Ma tourelle. Je connais un système militaire qui va prendre cher. Ah, oh, c'est raclure. Le repas de la journée, le plus important. À mon tour. Ah, finalement, chaque repas de la journée est le plus important. Bon, ah, toi t'es lotière. Ah, tu peux rester là. Ah, vas-y. Ça va laisser de vilaines traces de bronzage. C'est à toi. Ouais, bah non. Attends, hop. Ah, voilà. Ouah, tout ce qui m'enlève. Attends, stop. Voilà. Tout. Laisse-moi tranquille. Qui a envie d'une trompe dans le cul? Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Ah, ce pauvre moustique qui s'assume pas. C'est triste, hein, quand même. Laisse notre ami tranquille, toi. Ah, mais ils sont bien forts. L'heure de diabète a sonné. Ils vont dormir un bon moment, à l'hôpital. Donnez coup, adversaire. Mais le diabète l'emportera. Ok. Laser activé. Excellente tactique du regard, observant. Je vois ça. T'as même pas une bougie à la citronnelle pour te sauver. Ah, j'ai l'ultime. Ah, piou piou, mais oui, évidemment. Allez, vas-y. Ah, ça le tue même pas. Ah, Captain Diabète, tu me déçois. Ah, t'aurais pu l'achever quand même. On n'est pas à l'abri d'un coup critique. Ah non, il veut pas. Il veut pas tuer. T'es nul. Tes attaques ne font que renforcer ma rage. Regarde ta montre, le crime. C'est l'heure du cerf-volant. Pas de soucis, je te coupe. Oh, merci. Cogne-les, le nouveau. Ah, je le tue même pas. Oh mon dieu. Ah, si. Une minute, le temps de vider ces cadavres. Ah, c'est sorti tout seul, je voulais pas dire ça. Super dégueu, mec. Voilà. Impeccable. Bon, elle est où? Elle est même pas là. Ah si. Quoi? Boy Seizes. What the fuck? Ça fait bien d'obliger les six genres à partager des toilettes. Ça doit être dur pour toi. Enfin bref, j'ai un problème. Je suis comme toi, tenue à l'écart. J'ai remarqué que les adultes de la ville étaient de plus en plus bizarres. Mais personne ne m'écoute. J'ai commencé à recouper les Instagram de tout le monde pour voir si je trouvais un lien. Et c'est là que c'est arrivé. Quelqu'un a annulé mon forfait de portable. Mon mobile est mort. Celui qui a fait ça doit payer. Je vais aller voir l'opérateur de mobile pour savoir ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas y aller seule. J'ai besoin de toi. Tu es le seul à pouvoir comprendre. Ah, grosse mission. Ah, du coup, j'ai jamais visité tout ça, si. Pas trop. Ah si, j'ai dû le faire, en fait. J'ai un vague souvenir d'avoir visité des toilettes comme ça. Ouais, si, avec le canard, ouais, c'est bon, je reconnais. Si un meurtre, elle est coupable, elle a plus de mobile. Oh putain. Mes parents se sont forcément saoulés hier soir, c'était à mourir de rire. Ah, sinon, il y a le méchant qui nous attend en bas à droite. Ou il y a le Koun qui nous attend chez lui. On va aller vers le Koun. On va aller voir le Koun. Ah, peut-être qu'il va arrêter ses couneries. Voilà. Je me rappelle plus si je l'ai déjà faite celle-là, mais il fallait la faire. Dans le doute, vaut mieux la faire deux fois que pas du tout. Ah. Puis bah du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Forcément. Il est une heure. Il va être temps d'aller manger. Eh ouais. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas à follow la chaîne évidemment si c'est pas fait. Et on se retrouve cet après-midi. Pour un petit peu de Fire Emblem Warriors, voilà, on va mettre des patates à des milliers de personnes, tout dans la subtilité aussi, un peu comme South Park, mais en différent finalement. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.